Salut à tous les gamers, c'est Wartek et on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Isp, Zidar et Atezor. Dites bonjour les enfants. Bonsoir. Yo. Bonsoir. On va faire aujourd'hui le secret de Buried ou Buried, hein, Voilà. français. Donc c'est la nouvelle map zombie disponible dans le pack Vengeance. Donc comme vous pouvez le voir, en fait on n'est que 3. Je vais lancer la game, il n'y a pas Atezor. Pour quelle raison? Parce qu'il a déjà fait le secret et en fait si on lance avec lui, on ne peut pas refaire le secret de la même façon. Donc je vais lancer la game, l'inviter au milieu de la partie. Et puis ensuite, c'est principalement lui qui va nous expliquer comment faire ce secret. Et ça vous permettra aussi à vous de le réaliser. Il y a une grosse tête de T'as con vu, là, elle est ça belle, hein? c'est absolument dégueulasse. Elle est dégueu. Et c'est horrible. Bon, on va Donc, l'inviter. alors, vite un peu à tes heures. Tu l'invites, Yossi? Ok. J'essaye, attends. Non, t'attends. En fait, il faut juste qu'on passe une manche pour que tu puisses jouer tes ordres. Ouais. D'accord. C'est bon, essaye de reviendre. De reviendrai. Oui, non. Mais en fait, pour sortir, ça a juste à glisser dans le trou, là. Ouais, mais pour le moment, faut pas y aller, faut pas y aller. Pourquoi? On fait quelques points ici. Ouais, passer la manche ici, c'est bon. Et après, Attendez. on descendra. Et en plus, ah Attendez oui. que. Donc si jamais, Zee, regarde où je suis. T'es où? Là en haut. Attends, En fait, j'arrive. il y a une LSAT là-haut. Tu vois, il y a une LSAT là-haut au mur là. Comment ça pour l'avoir? Et en fait, il faut faire 2000 points. Une fois que t'as 2000 points, tu vas la chercher, puis après, tu tomberas dans le trou. Et puis après, ça Comment on monte? nous permettra d'enchaîner, tu vois, Tu par la. sautes. Faut sauter pour Faut juste sauter, mais vas-y, pas maintenant, hein. Sinon, tu pourras plus redescendre. Hein? Non, Ah, passer il la manche déjà. est. Ouais. Il y a plein de zonzombes. Là, pour ça finir. Jamais fait cette map. Bien Ah. fait, les potes. T'as vu, c'est des archéologues et tout. C'est pas beau, hein. Donc voilà, le secret en fait. Donc là, César, on fait le secret Richtofen ou Maxi Richtofen. Richtofen. Et on verra si on vous fera la deuxième version du secret. Je pense que. Ah bah d'accord. Ça y est, il commence. Il est Gros trop nul. bon. Gros nul. Je Il sais, commence. désolé. Ah, Tether, c'est la gonzesse. Bien Quoi? fait. Oh non. Ah, ils sont moins bien faits, les lolos, que dans. Ah, ils étaient mieux faits, les lolos, dans l'autre. Bon, bref. Non mais C'était là on quoi peut la map sauter. dans Transit? Oh, mais attends, moi je vais prendre la batteuse. Hein. J'attends d'avoir deux. Mais tu veux pas tous les zombies par contre. Non. Bah, faut pas qu'on aille trop loin au niveau des Ah manches, merde. non? Bah faut déjà qu'on fasse les premières étapes, manche 2 et puis après Ah, on. De toute manche façon au 2? bout d'un moment on sera On obligé de est manche passer 2 par là. là. Bah, alors on y va, Tésor. Hein. Hein? On descend? Non mais fais-toi 2000 points si t'as envie pour prendre la LSAT mais. Bah, c'est pas 2000 points qu'une mort instantanée, je vais réussir à me faire mes points, attends. Bah si tu les laisses tous les autres, oui, Ah mais. oui, laissez-les moi, comme ça j'ai mal de ça, Bah et oui. ça on est tranquille, bah oui. Deux en bas qui arrivent. Laissez-les monter. Comme ça je reconstruis les fenêtres là en même temps. Au pire, l'Elsa, tu t'en rends, enfin, je sais pas. Y a pas besoin, Ouais, non, mais hein. au moins il y en a un qui a une arme quoi, si on a un souci. Ah bah c'est bon, de toute façon, je vais prendre du pognon, moi. Il reste 30 points, pas me chier des bulles Ah là. voilà. Merde, fallait pas passer la manche. Non, c'est pas. Voilà, je fais 30 points, je saute, je prends la LSAT et je me casse. Y'a pas une T'es pas fenêtre à franchir démoré. là? Non. Bon, ça va. Vas-y, bah moi je t'attends en bas. Tu descends déjà? Oui, je t'attends juste en bas, t'as juste à sauter dans le trou. Voilà, hop, vous avez vu sauter la gonzesse. Bon, bref. Allez, là, un zombe-zombe là. On Quoi? s'amuse à faire des plongeons en tournant. Oh, regarde comme tu te prends la barrière, attends. Ouais, t'as vu Essaye de ça? faire. Oh! Regarde, Annie, regarde. Pas le cuté, attends, j'arrive pas le cuté. Encore une fois. Ah, c'est bon, je vais prendre ma LSAT. Regarde. Attends, j'ai des zombies partout, je vais mourir. Je Je crois rigole que si t'as dit en t'arrives pas à fait. la choper. Mais si, c'est bon, regarde. Hop, j'ai ma LSAT. Au Je vais revoir! mourir. Ça y est, ça commence. Non, aide-le, s'il te plaît. Non mais. Genre 10 balles et il y a 26 zombies environ. En Ouais, gros, moi t'es je sais greux, pas. on voit tout ce que t'as, là je peux pas t'aider. Hein. Pour la nuque ou Y'a pas? y a une nuque, y'a une nuque, prends. Oui, prends-la. Oh, c'est pas grave, manche 4 mais bon. Vas-y, viens Eh m'aider. non, ça passe pas la manche, je pense. Vas-y, elle Y'a des attend ici depuis munitions, sur longtemps. des munitions. Ah si. Sûr que si. Je prends, c'est bon? Oui. Ok, donc là, Tésor a fait un truc qu'il a pas pu vous montrer. En fait, il y avait une arme ici au mur. Il y avait un point d'interrogation en face, il a pris l'arme Attendez, sur mais le vous point êtes et où il l'a là? dessiné sur le mur. En barre, descends dans le trou, saute dans le trou. Merde. J'arrive. Regarde-le, Il est mon pourtant. Zidar! Il est pourtant assez gros le truc, quoi. Je J'avoue que. peux pas Regarde-le! l'oublier. Ok, C'est vas-y, bon, on ça te sert suit à à rien. Tésor. Donc ensuite, on va descendre par là. Et la boîte. Il faut essayer de choper la nouvelle arme, c'est ça? Ah, il faut ça, Je vais puis le truc l'avoir. pour remonter dans le temps. Je te l'ai pas montré tout à l'heure. D'accord. Qui a une balistique? C'est à Tésor. Ça, c'est parfait, ça. Donc là en fait la première étape c'est quoi Tésor, explique juste. Yes! Allumer des boules rouges. Allumer des boules rouges, bah d'accord. Oh là là, ça Cours, yeah. commence. T'es trop fort. Machine de guerre. Derrière toi, Anil.
Quoi? Oh oui, merci. Attends, fais gaffe, hein, laisse-en pas qu'un, sinon il va courir. Ah, laissez-en pas qu'un, il y en a un qui arrive là-bas. Ah, on prend sa fumier. Non, laissez-en debout, hein, laissez-en debout. Hein. J'en garde deux, tuez les autres. Il y en a pas qui arrive dans là, attends. J'ai une nouvelle arme. Et je suis mort. Faudrait m'aider parce que j'ai une nouvelle arme. Il faut pas de rampant. Hein. Pas de rampant. Garde celui-là. Voilà, ouais, celui-là il est très bien là. Il y en a encore, il y en a deux, ils sont super lents là. Lui, non, mais faut en laisser deux, laissez-en deux. Regarde, ces deux-là ils sont très bien, voilà, laissez-les. Il y a un troisième là-haut. Ok, j'ai la nouvelle arme à tes ors. Il va trop vite, tuez-le. Stop. Bon, attends, on va déjà commencer par aller à la banque. Venez. Vas-y, c'est bien. Donc là, on va aller à la banque, on va ouvrir la banque, et c'est là où il y a le canard. Non, la banque c'est pour reprendre le pognon. D'accord. Y'a qui a pas de thune que je lui en passe? Moi. Comment on voit? Attends, je vais aller chercher le taser. Quoi? Non, mais il parle dans la banque ou dans les points en bas à droite? Non, en haut à droite. Il est où? Je suis allé chercher le point taser, deux secondes. Ah, oh but! Qui se joue là, lui? Putain, c'est quoi cette arme? Mais c'est qui ce zombie? Là. Derrière toi. Ah, oui, y'a un zombie, je sais pas d'où il sort. Bon, taser, on t'attend là où on était avant. Hein. C'est bien beau de prendre le point taser, mais je pourrais pas me l'acheter de toute façon. C'est quoi ce machin là? Y'a une météo, une boule. Bah, c'est violette. Ça, c'est les boules rouges qu'il faut allumer en fait. Je touche à rien. Bon, on t'attend. Ouais, touche à rien. Laisse Mister Zombie s'en occuper. Ouais. Ah, remontez là, les escaliers. Mais il y en a plein encore des ombres là. T'en tues un ou pas? Attends, mais non, mais laissez-les tous, on s'en fout. C'est pas moi, il bloque. Pas moi, je suis innocent. Ah, il te bloque dans l'escalier? Ah, bah, oh merde. Mais putain. Il y en a deux là-bas au pire. Non, mais qui? C'est pas grave, il y en a encore deux là. Yes. C'est quoi cette arme? Je sais pas, mais c'est violent. Hein. J'aime bien. Vas-y, on descend. Regarde-le, il carjaque la prison. Oh la banque. Bon. Ah bah! Vole les entubes! C'est bien, tu prends l'argent, y'a même pas de caissière. Ça va tout seul, hein. Y'a même pas de caissière, comment on fait pour voir? La caissière? Oh, je prends que 21 000. Ouh. Essayez, si vous pouvez prendre, c'est qu'il y en a, c'est que vous pouvez pas, c'est qu'il y a pas. Oh, non, moi j'ai pas d'argent, c'est sûr. Moi je peux, hein. T'as compris? Allez hop, je sais pas, monsieur empiffré. Fais gaffe, y'a le zombie! Mais j'ai pris 3 000, c'est bon. C'est bon. Et on fait quoi maintenant? Attends. Non, mais au pire, je vous en passerai de la thune. Je peux pas, y'a pas d'argent, on se casse. Ouais, y'en a, mais. Faut sauter dans le trou là? Ouais. Okay. Je vais tout ouvrir et puis. Vas-y, viens, Isp. Moi j'ai pris 1000 PTS. Là, viens. Y'a même pas dextérité. Oh putain! Zidar prend la haine là. Oh les potes. Non, mais c'est une silhouette, hein, ça sera pas l'arme. Voilà. Putain, je l'ai pas eu mon couillonné. Je quitte. Comment se dit, c'est mieux? Moi j'en prends une aussi? Oh le subterfuge. Ouais, mais non, tu pourras pas la mettre tout de suite. Je prends pas ouvert. Je parlais pas tous en même temps. Tu prends quoi? Non, mais rien. Parce que les points d'interrogation qui restent, on les a encore pas ouverts. Donc ça. Suivez à tes ors, de toute façon. Ok, donc là c'est bon, t'as réussi à récupérer ton pognon, donc on est à peu près tranquille. Zidar, dessine ton AN là. Quoi? Mais comment je fais? T'appuies sur X. Je sais pas où vous êtes. Oh putain! Il dessine avec une craie. Là. je vais l'acheter. Ah, ça veut dire? On peut choisir les emplacements des armes ou. Isp, attends, là. Non, c'est ensemble. Et moi je vais mettre le taser là en haut. Ah, c'est énorme. Donc vous voyez, en fait vous récupérez des armes sur les murs, des silhouettes, et après vous les construisez. Donc là t'as le point taser, donc tu peux me donner du pognon. Attends, ouais. Et c'est quoi ce bug? Je peux me pencher la boîte? Ah si. Oui. Allez, faites qu'il est de la merde. Mais je quitte. Allez mon laser. Ah mais attends, il me faut le truc pour remonter le temps. C'est l'espèce de grosse arme là? Non, c'est un truc. Oh, S12. Ça, c'est l'arme à Zidar, ça. Oui. Là. Je vais déjà te passer de l'argent, si tu veux. Enfin, ce qui donne. Je suis là, t'es où? Non, mais faut que j'aille à la banque pour t'en donner. J'ai mis 4 coups de lag, toi, bien. Ouais. Oh. Ok. Nickel. Faites bon, des boîtes si vous pouvez, moi, je peux pas, donc... On tourne à la banque. J'arrive. C'est quoi? Encore laser. Au moins on sera tranquille. Hein. Alors hop. Y'a un zombie qui est tombé, faites gaffe. Hein. Il va revenir quelque part. Hein. Non, mais y'en a un qui est à la banque. Yes! Il y en a un là. Ah, Tésor, t'es où? On va où là? Je connais pas les maps, mais nous laissez pas. On a les deux qui connaissent pas, alors on va aller. J'ai jamais fait. Si, je suis là, vas-y. Ouais. C'est lampe là. Attends, essaye de garder le zombie pendant que je te donne le pognon. Ah, s'il pouvait venir, oui. Attends, prends pas tout de suite. Hein. Non. Vas-y, prends là. Allez, moi j'explore un peu, c'est quoi ça? Oh, on m'a donné 6400. Ah, je savais, moi j'en ai 6000. Ouais, 6000. Merci, monsieur. Comme ça, tu pourras te.
Moi, je pourrais acheter les atouts. On prend Masto, hein, mais t'as pas encore mis le courant. Qui se pégare derrière toi? J'allais le faire. Ah, attends. Stop, 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 stop. Tu m'as suivi là? Ouais, ouais, je suis dans le trou. Aïe. Les silhouettes, je reprends une ou pas? Non, parce que pour l'instant, tu peux pas en reposer. Ah, si, tu pourras en haut du saloon, mais bon. Tu la prends ou pas? Non, pas pour le moment, ça. Ok. Alors. Et la musique, on fait comment? Attends, ça sera ouvert. On va aller enlever le gros là de sa cage. Ouais, déjà. Venez voir. Attendez-nous, mais attendez-nous, vous êtes où? Mais oui, non, il en a juste ouvert quelques trucs pour. Bah, nous, on est à. C'est quoi ça? Non, mais retournez devant la boîte. Coup de pied arrière. Ah, bah, c'est bon, ils sont là, viens. Vous me voyez? Ouais. Ok. Bah, vas-y, viens, je te suis à tes ordres. Vous allez voir, on a un petit connard à vous présenter. Vas-y. Ah, bah, un bijou. Hop là. Comment on fait? Regarde-le. Et où? Oh putain! Regarde-le le bijou. Attends, c'est bon, ça y tronche. Yo. Attends, je vais lui ouvrir. Ah merde. Attends, il va lui ouvrir la porte, il va lui ouvrir la porte. Il a mis ça dans les yeux? C'est un peu heureux. Il est tout gentil, hein, il a peur. Hein. Jure. Ah, vas-y, en fait, prenez le remontant, là. En fait, vous voyez ce truc-là à côté, c'est un remontant. En fait, vous lui donnez ça, je lui donne maintenant? Ouais, donne-lui, bah il faut qu'il pète le truc, là, sinon... D'accord, donc là, vous allez voir, regarde, non, regarde. Tu vas voir, en fait, tu lui donnes des remontants et il pète des trucs dans la map pour pouvoir accéder à d'autres trucs. Mais c'est quoi, c'est que pas, il a foncé dans le mur? Je crois qu'il y a quelqu'un qui nous aide un peu. Oh merde, c'est ça, il y a le zombie. Et en fait, non, c'est quelqu'un qui nous aide, tu vois. Donc, il est grand. En fait, il y a plusieurs trucs. Vas-y, explique à tes ors. Bah, et ouais, en gros, bah, déjà, là, juste pour le remontant, il court dans les obstacles pour les détruire. Et après, il y a d'autres trucs avec les bonbons. Voilà, en fait, si tu donnes un bonbon à côté, par exemple, d'un rampant, il le prend dans les bras pour éviter qu'il meure. Non, voilà. Si, si tu lui donnes à côté d'un emplacement de boîte, il va aller chercher la boîte. Ouais, voilà. Mais je crois qu'il fait quelque chose du 67. Il y a des chances. Attends, faut reprendre un remontant, mais là il y en a plus, faut les payer. Ah non, il y en a encore un dans la... Au secours, il me fait peur. Et il se retourne pas contre lui. Si tu lui tires dessus, non. Si tu lui tires dessus, il retourne dans sa cage. Ouais, okay. Et si tu le suis dans sa cage, il se renfermera pas. D'accord. Donc, faites gaffe. Donc là, Tésor, on peut les mettre le courant? Il l'a déjà mis, je l'ai déjà mis. Ah, tu l'as mis? D'accord, bah venez prendre Masto là. Attends, mais il y a un problème là. Mais dis pas que ça coûte 2000. Ah, mais tu dois lui faire péter, non, pour qu'il prenne Masto? Bah, il y a ça le truc, et je retrouve plus le remontant. Ah, d'accord. Ah, ouais, ok, il y a des obstacles qu'on peut pas ouvrir nous-mêmes, faut qu'il les pète, obligatoirement. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ah, s'il est là le remontant, voilà. Attends, je vais en ramener un. Bah, fais gaffe, il va écraser le zombie là. Non, il fait rien, le zombie. Il est tout mignon. C'est quoi? Ah, c'est sa cage. Ça. Plus tu le fais partir de loin pour péter le truc, plus tu gagnes du pognon quand ouais, il pète. Échappe les zombies. Vas-y. Hein, je sais pas. Allez, mon gol. Faites gaffe, il y a un zombie derrière toi. Il y a un zombie derrière toi. Non, mais s'il lui marche dessus, il l'écrase, mais il réapparaît. Oh, allez, fonce. Regarde-le. Oh, mon fumier. Regarde-le. Allez. Comme il se casse la tronche. Moi, je prends. Ça coûte combien? Oh, oh. Yes, il oh, là, je crois qu'on a fait les cons, par contre. Ah, non. Non, mais ça va pas, moi. C'est fait mieux. On va les attirer dehors. Oh, non. Oh. Putain, il court maintenant. Bah c'est pas grave, je vais le mettre en rampant, il va le garder dans ses bras. C'est où la banque là que j'allais chercher juste Masto? Non mais Masto... T'as fait des caisses hein, quand même là. J'ai pas assez. Attends, je vais te donner de l'argent. C'est où? Je sais pas, mais bougez-vous parce que je tourne avec le zombie et je commence à avoir envie de vomir. Vas-y, viens. Bah mais le problème c'est que là il faudra le garder longtemps quoi. Parce qu'il faut tout lui ouvrir dans la map là. Non mais attends, alors soit on le tue, on passe une manche et voilà, on a assez pour tenir, non? À la limite. Attends, vas-y, je vais te donner 5000. Merde. Au pire, je peux jouer, enfin, je peux prendre, non? Attends, prends pas tout de suite. Hein. Je le tue ou pas? Vas-y, prends là. Tu le tues? Merci. Attends, il va prendre Masto déjà. Ah, viens prendre Masto, s'il te plaît, parce qu'il commence à me péter les. Hein, bon. Attends. Putain, mais elle est pas grande. Non, mais il y a encore. Non, elle est pas très. Non, mais il y a encore des trucs après. Ouais, ouais. Donc là, la première étape, c'était quoi, donc, à Tésor? C'était de délivrer le gros méchant? Enfin, le gros gentil. Non, mais non, ça c'est obligé, mais le. Comment? Ah bah, tu l'as la nouvelle arme? Oui? Bah, vas-y, bah, on peut commencer le. Attends. Non, il vient sur moi! Non, remarque, non, tu peux pas parce qu'on a pas. Vas-y, vas-y, faites des boîtes, c'est quand même de la merde. Là, venez faire des boîtes, là. J'ai un 440 et un Remington d'un. Ah, vas-y, il se fait. Moi, j'ai la nouvelle arme et une Elsat, donc bon. C'est quoi ce truc? Oh, c'est bien ça! Allez-y, on peut tenir facilement, on en laisse 3, 2, 3 qui... Ouais, non, ouais, les 16 ans. Il y a eu l'arme. Ah, c'est le nouveau laser. Pourquoi? C'est le même que moi, non? Ouais.
Ah, mais c'est pas l'arme spéciale alors. Si, si. Non. Oui, on peut non, pas c'est l'avoir pas... Non, non, c'est... Oui, non, c'est pas ça. Bon, laser qui... et deux nouveaux lasers. Bon, c'est pas celle-là qui... Deux lasers et deux nouveaux lasers, j'avoue. Ouais, ouais. Ah, mais c'est pas celle-là alors qu'il faut avoir, Tésor. Non, ça c'est juste le nouveau laser qu'ils ont. Ah, ok, bah attends, il faut absolument que je fasse des boîtes pour avoir cette nouvelle arme. Faut absolument qu'on voit ce que je fais avec. Oh, bah tu fais pas grand-chose, hein. T'allumes juste des boules rouges, hein. Après ça sert plus à rien. Ah, d'accord. Ah, si, tu peux voler aussi avec, mais ça c'est. Bah, d'accord. Optionnellement pour... Optionnellement. Oh, le passage, okay. Au passage, il y a des glitches avec, mais ça c'est. Ça c'est pour. Les 16 ans, hein, parce que. Oula. Ouais, les 16 ans. J'adore le bruit de cette arme. Moi j'en tue même pas, comme ça je suis sûr que c'est pas de ma faute. La pédale. Je vais changer ma sensi parce que je suis en 14 pour vous, ça doit être horrible quand je tourne. Stop. Maintenant j'ai stop, mis un ouais, non, stop. Ah, laissez, il y en a encore deux là. Faut pas qu'ils courent. Hein. Voilà, ouais, il y en a encore un là-haut, il y en a encore un là-haut. Ouais, c'est pas grave, si on a trois. Voilà, non, doucement. Attends, regarde lequel va le moins vite. Celui-là il va trop vite, là je vais le flinguer là. Celui qui est tout devant là, c'est un bouge. Au secours. C'est bon. Ok, ensuite à Tésor. Attends, j'ai une boîte, peut-être là. Elle est où la boîte? Je sais pas. Elle est en haut. Tu montes l'escalier là, juste à côté. Là. Voilà. Ah non. Mais attends. Alors, il faut choper. On va déjà choper l'arme et après putain, on va tout zombie. Ouvrir avec l'autre. On va tout ouvrir avec l'autre après. Non, on va être bloqué. Bouge. Des deux côtés, y en a. Tu vas droit. Oh, j'ai un truc. Tiens, remonter le temps. Ah parfait. J'ai un truc pour remonter le temps. Ok. Bah c'est bien. Oula merde, j'ai un zombie sur le cul moi. Ah, je vais mourir si je le tue pas, je suis désolé. Ah, mais c'est bon, t'inquiète, y'en a assez. Oh merde, je continue à faire des boîtes, moi, prenez-les. Y'en a un qui arrive sur toi, Daniel. Non, c'est bon, je l'ai. Non, c'est bon, il a fait demi-tour. Mais c'est en bien deux, hein, faut pas que tu cours dessus. Hein, c'est chiant. Ah merde, je suis tombé. Ils sont sur toi là. Les deux sur toi, je crois. Oh. Non, j'en ai un, il est sur moi. Ah, oh, cap 40, mon dieu. Derrière toi, non, c'est bon. Ah bon, je la chope. Ok. Donc là, il faut absolument qu'on chope la nouvelle arme pour faire les boules, c'est ça? Ouais. Bah là, on va déjà choper l'arme et après, on va choper la. Après, on va tout ouvrir avec l'autre là. Oh, mais maman. Attends, laisse-moi en faire une. Attends, je vais en faire. Attends, laisse, je la fais. Parce que moi, je vois le nounours sur la boîte. Ah oui, il y a. Ah, la tronche, la nouvelle arme. Il y a un nouveau truc sur cette map, je sais pas après si c'est vraiment vrai, on va dire. C'est qu'au bout d'un moment, quand on fait des boîtes, il y a un nounours. Enfin, la personne, il voit un nounours sur la boîte et ça donne plus de chances d'avoir un truc. Ouais. Ouais. Vas-y, je vais essayer de faire une boîte là. Ah, moi, ça me l'a fait à chaque fois, donc je pense que. Ah, tiens, tu vois, là, je viens d'avoir des singes, mais je sais pas. Fais gaffe, il y a les zombies. Fais gaffe, ouais. Ouais, bah ouais, ça marche bien même. Attends, j'ai essayé une fois, moi. Ouais, je vais essayer aussi. Prenez les zombies. Attends, j'ai pas essayé. Parce que moi, s'ils m'enferment, je suis mort. Ouh là 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 là, mes fumiers. Ouais. Bon, moi, on le sort plus souvent, la nouvelle arme. Vas-y, t'es le mec le moins chanceux du monde aux boîtes de zombies, de toute façon. Attends. Je l'ai eu. Oh, HMR. Faut en prendre zombie. Je peux pas. Il veut pas. Ah, si, c'est bon. Il a mis deux temps mieux. Trois. Ouais, RPG, c'est ça, vas-y, non? Vas-y, attends, redescends. J'ai plus de thunes, moi, j'ai plus de thunes, hein, faut. Attends, je vais essayer. Je vous laisse faire la boîte, de toute façon, je me casse, moi. Donc, ouais, donc là, il faut absolument qu'on ait cette nouvelle arme, mais après, ensuite, on va allumer des boules, comme ça, je vais vous montrer. Lui, il se balade, là, il s'amuse. Il y en a un qui est mort. Ouais, mais il va réapparaître. Peut-être, vous voyez, il y a des boules comme ça, en fait, partout dans la map. Putain, il m'a fait peur! Il faut donc récupérer cette nouvelle arme pour pouvoir allumer ces boules rouges. Bon, en attendant que la boîte réapparaisse, on va péter tous les obstacles avec. Avec notre copain. D'accord. Bon, bien. Voilà. Vas-y, cut son cul là. Attends, ouais, si tu le cut, il va plus vite. Vas-y, avance, connard. Putain. Ah, c'est un bijou lui. C'est un monstre. Hé, bouge ton cul, allez, bon. C'est sa salopette là. Regarde-le, il boit. Oh. Allez, prends sa fumier. Ça pourrait. Attends, je le teabag. Mais c'est que tu rigoles. Donc là, vous voyez, on arrive devant la maison fantôme. Où c'est fantôme. Là, c'est une maison hantée, mon gars. Elle fait flipper, je te jure. Hein. Bah, ça, c'est une maison hantée, ça. Maison hantée. Attends, il reste trois trucs à péter avec l'autre et on en a fini.
Enfin non, 4 même, parce qu'il y en a un qu'il faut ouvrir pour une autre étape après, sinon. J'avais jamais vu qu'il y avait le nombre de balles en fait que t'as dans le chargeur sur la LSAT. Oh. Un petit écran en bas à gauche, il met le nombre de balles qu'il y a dans la LSAT. Ah oui. Si, moi, parce que je joue en ligne avec... je jouais pas, j'ai vu une fois. Attends, je suis en train de péter les trucs. Faut quand même savoir que notre Zidar national qui est ici a toutes les armes du jeu en diamant. Mais quand je dis toutes, c'est toutes. Et toutes P2. Et toutes P2, évidemment. Attends, je vais carrément tout ouvrir, même s'il y en a un qui sert à rien, comme ça vous aurez un succès. D'accord, mais moi je vois pas les succès, faudrait que je remette les notifs en fait. Enfin, les notifs des succès, du moins. Bah, genre, le succès, c'est péter tous les trucs avec. D'accord. Bon, je vous montrerai les succès à la fin. Parce Là, il que est bleu rouge, t'as parce vu? que le truc, c'est que là, si je mets les notifs, je vais recevoir les messages et tout. Ça risque d'être un petit peu spammant. Bah, c'est juste qu'il faut que je repaye 1000 à chaque fois les remontants, quoi. Putain, ils me coûtent cher. Hein. Oh, ça va. Après, je suis calé, gamin. Ah. C'est quoi ça? Il est vraiment pas beau à part ça. Pourquoi c'est un géant? Bah, bah parce c'est comme ça, il, hein. Comme ça, il peut péter les trucs. Le minus qui fonce dans les obstacles, il que. Allez, avance tes fesses, toi, bon. Ah, j'ai pris 4 coups de couteau. Allez, plante-le. Est-ce qu'il s'amuse avec un zombie? Bah oui, on fait son peu. Allez, hey, donne-lui à boire au. Attends, y'a le zombie qui me colle au cul. Merde, je crois que j'ai fail, il va se prendre l'arbre. Non, c'est non. Bon. Bien, c'est une église. Bonsoir, ça, c'est... Alors ça, c'est le nouvel... C'est quoi le vautour le... Oui. C'est, prenez-le. Moi, je peux pas le prendre, j'ai pas assez d'argent, il faudra que... Élixir du vautour. Ouais, élixir du vautour. Vautour. Ça sert à quoi? En fait... Prends-le, tu verras. En fait, les zombies, ils ont le truc vert. Tu vois, en fait, attends, je t'explique. Tu vois tout en wallack, c'est-à-dire que tu vois tous les emplacements d'armes, la boîte qui est indiquée par deux points d'interrogation. Enfin, en gros, ça te permet de voir tout à travers les murs, quoi. Ah oh, ouais. Et quand tu tues les zombies, ils vont larguer des genre des munitions, genre deux balles, ils vont donner un peu de pognon. Voilà. Tu vois tout à travers avec. Ouais, donc voilà, donc les zombies lâchent des munitions et de l'argent. Et en plus de ça, en fait, tu vois autour d'eux, quand ils meurent, ils ont une fumée verte. Si tu te mets dedans, t'es considéré comme un zombie, donc ils t'attaquent plus pendant quelques secondes. Oh, voilà. C'est énorme. Mais là, j'ai de la fumée verte, tu vois. Et par contre, moi, j'aimerais bien l'acheter, mais j'ai pas assez, quoi. Attends, là, j'ai trop donné de l'argent. Comme ça, je peux me montrer, en fait. Bah, vas-y, on se retourne à la banque. Ouais, mais j'y suis déjà, moi. Ah, j'arrive. Moi aussi, je vais prendre de l'argent, comme un vautour, me cache, attends. T'as acheté, mais regarde, toute façon. Regarde où je suis. T'as ma tésor, t'as plein de pognon. Il me planque pour chourer son pognon. Il m'a pas vu, Anil, hein. Attends, chut. Allez. Putain, vite, pour moi. Non. Je sais plus où elle est, la banque. Si, ce qu'il a pris, hein. Non, j'ai rien. Si. Attends, je suis perdu, elle est où, la banque? Oh, en plus, mais... Non, prends pas. Mais il a repris. J'ai pas pris. Si, il a repris. Il taxe tout mon pognon. Vas-y, je fais... Arrête, prends le pognon là, laissez-le moi vraiment. Il a tout chouré deux fois. Donne-moi 3000 s'il te plaît. Vite à moi. Non, j'ai bloqué. Mais je t'en mets aussi si tu veux. C'est bon. Allez, on redescend par là. Et je vais aller prendre le nouvel atout, comme ça vous pouvez voir exactement ce qu'il fait pour ceux qui ont. J'ai envie de dire pour ceux qui sont sur PS3, malheureusement, vous pouvez pas encore avoir la map. Enfin, elle va arriver dans un peu moins d'un mois, je pense. Genre, encore plus. Non, c'est par là-bas. De toute façon, le nouvel atout il sert pour une étape du secret. D'accord. Il y aura un moment, il y aura une boule d'énergie. Et on l'a bon, on a toujours. Détail, nous n'avons toujours pas la nouvelle arme, donc il faut absolument aller faire des boîtes. Donc à Zidar, elle est où là? C'est deux points d'interrogation la boîte. Elle est de l'autre côté là-bas, jaune, les points d'interrogation jaunes. Ouais, c'est pas où tu. Putain, je crois qu'il y a des ateliers pour construire le truc là. Donc, l'autre, il est où là? Il est là, il est en haut, près de la banque. Ouais. Là, vous voyez, là-haut par exemple. Oula. Vous avez une arme. Attends, je peux ramasser là-bas, une pièce par terre. Là-bas, oui, j'ai vu. Là-bas, vous avez la boîte. Non, la pièce n'en prendra pas, c'est trop tard. Bon, bah, au pire, tu la reposeras. Là-bas, en fait, c'est la boîte. Enfin, bref, vous avez vraiment tout d'indiqué. J'ai peur. Elle m'a fait trop peur. Là, vous voyez, vous avez les atouts qui sont indiqués. La boîte est là-bas en haut. Donc, on va aller à la boîte ou tu le fais attends, en temps je pète la fontaine. Bah, où, là la ah oui, il va péter la fontaine, regardez. Pense à fumier. Quoi faire? En fait, pour vous dire vite fait, la fontaine, il y a une fontaine ici et une fontaine derrière la maison fantôme. Et quand on pète les deux, après, ça permet de prendre un téléporteur pour retourner au début. Bon, à la base, ça sert juste pour la table de navigation, mais ça sert aussi pour le secret, pour une étape. Enfin, je vous dirai tout à l'heure. D'accord. Bon, très bien. Donc là, hop, il est monté.
Attends, merde. Il me faut encore un remontant. Faut qu'on aille absolument à la boîte qui est là-bas. Je sais pas comment y aller, je tourne autour de Twitter. Mais... Moi aussi. Je t'avouerai que moi non plus. Si, c'est bon, j'ai compris, je crois. Attends. Ah, t'as pas un monstre. Attends, je vais essayer. Bah, elle Attends. Est où ? Je l'ai perdu. Non, mais la boîte, elle est... Ah non. Elle est là-haut, là. Non, elle est à réanimation. Bah, attends, je vous emmènerai tout à l'heure, parce qu'il faut reprendre un autre chemin pour y aller. Elle est pas dans les maisons. Ah oui, il faut remonter par les rails, c'est ça ? Ouais. Bon, pire, si tu vois, emmène-les, sinon... Si je me souviens où c'est, oui, mais à mon avis, c'est mal barré. Bah, attends, je pète le dernier truc et j'arrive. Vas-y. Regardez, j'avais pas reçu un message de Méo. De Méo ? Ouais, sur non. Xbox. Ah, peut-être. Regarde voir. Ça vaut le coup d'ouvrir ? Oui. D'accord, attends. Regarde si tu l'as. J'ai pas reçu, moi. Mais tant pis. Ah, c'est quoi ça ? C'est une échelle bizarre, là. Oula. Donc voilà, donc, une fois quoi ? La boîte ? Attends, je suis remonté par une échelle, là. Oui, voilà, en fait, c'est les rails, c'est ça qu'on disait. Ah, j'ai eu un succès. Ah, voilà, oui, c'est parce que j'ai tout pété avec l'autre, donc c'est bon. Ah non. Bon, Nickel. GG. Alors là, je suis tombé du trou tout en haut et il m'a mis un coup. En fait, comme vous voyez, là, les zombies que vous pouvez voir, ils ont une fumée verte derrière eux. C'est ça, en fait, que je disais. Que quand vous le tuez, en fait, vous avez la fumée verte. Bon, Zidar, tu veux racheter Masto, je suppose. C'est bon, j'ai du pognon. Comment on fait pour y aller? Redescends et après tu verras, c'est à côté de, tu sais, de où on était tout au début, là, on a déverrouillé le gros. Je vais voir. Allez. Putain. En fait, Isp, il a du pognon, mais ça va limite pas lui servir beaucoup. C'est même pas à lui, on est voleur. Ouais, en plus. C'est où ? Je reste 7000, je crois. Ah, parce qu'en plus, dans la maison fantôme, le fantôme, quand il te touche, il te pique 2000. Donc, Il te pique des munes ? Non, 2000. 2000. Ah, 2000, je peux en payer tout. Enfin, des munes, enfin bref. Ah bah non, encore. Il te pique tes habits aussi. Ah oui. Bon, c'est bon, j'ai Masto, on fait quoi ? Ah, j'ai perdu l'atout, connard. Monter, là aussi. Ah bah si, il monte, il s'en fout. Ah, c'est pas grave, de toute façon, on a pas besoin de ça. Ah, ma pièce là. Ok, est-ce qu'on peut aller à la boîte, s'il vous plaît ? Bah oui, je t'attends. Mais t'es où ? Ah, je suis là, vas-y. Bon, tant pis, je reprends pas l'atout, avec du vautour. Putain, je suis mort bêtement, je suis tombé dans un. Ah, mais si, le vautour, il te le faudra. Je fais une parenthèse rapide, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas sorti une vidéo, ça vous allez sûrement voir celle-ci. Il y a aussi donc 4 gameplays en facecom sur les nouvelles maps qui vont venir. Je vais vous faire ça pendant cette semaine, j'étais absent pendant un moment, mais vous inquiétez pas, ça reprend de plein fouet. Merde, je suis tombé. Non. Yes. Non mais là, ça on y prendra tout à l'heure, c'est la pièce sur la guillotine. Allez-y. Je savais pas qu'il y avait un guet-apens dans le monde. Bah, c'est dans ça que je suis tombé. Bah, il est tombé. Oh putain, j'ai pas envie de payer, la plus de thunes. J'arrive. T'as trouvé le chemin? Ouais, j'ai trouvé. C'est trop bien, un zombie, tu peux sauter tout le temps. Bien. Au pire, Is, tu redonneras ta thune pour Zidar pour qu'il reprenne la toux. Vas-y, venez. Il faut le point taser. Ah, c'est bon. Vas-y, ouvre, Is. Je suis même pas assez pour ouvrir, mon gars. Faites gaffe, je crois qu'il y a encore un guet-apens après. Non, il y en a pas. Il y en a pas ? Ouais, d'accord. Une boîte, moi, yep. Vas-y. J'espère qu'on va l'avoir. C'est ça. C'est bon, c'est la bonne, ça. Donc c'est ça. Putain. J'ai même pas assez. Oups. Oh non, j'en fais une. Bon, j'ai plus de pognon. Mais maman, S12. Oula, les zombies. Oh, c'est bon, je les garde un peu. Tu les gardes ? Vas-y, garde-les. Avant, rapproche-toi pas d'eux, rapproche-toi, mets-toi là-dedans comme ça ils viennent pas ici. Il faudrait que ça soit moi qui ai l'arme ou Anil, ce serait plus simple. Bah moi j'ai pas de thunes donc j'ai dû. Vas-y, fais cette boîte, allez. Bah regarde mon argent. Oh bah vas-y. Une bloc, je peux même pas la prendre. Et poussez-vous, putain. Bah comment je vous empêche. Il y a un fall. Ah, nickel, il y a super de tir. Non. De quoi? Pas le sélecteur de tir. Aïe. D'habitude, je la chope plus rapidement. Oula, là, il y en a un qui est tombé. Ils ont pas de chier. La boîte. Pousse-toi. Il va s'enfermer, hein. Il va s'enfermer. Vas-y, tu l'as. Chope. Mon dieu, reprends ce machin. Alors, d'habitude, tu l'as plus rapide. Oh putain. Toi, le machin, mon gars, c'est on dirait un sèche-cheveux. Fais voir. Arrête-toi. Dieu, le machin, quoi. Oh putain. Donc, ok, donc vous avez besoin de cette arme-là. Et on va aller faire les boules maintenant. Oh là. Approaching. Ils volent.
Sur... Attends, mais merde. Ah bah attends, attends, attends. Ouais, mais dépêche-toi parce qu'il reste plus que lui. Vas-y, tu peux le garder. Non, non, bon. Non, mais attends, attends. On va aller plus simple. J'y vais. Merde, je vais le mettre en rampant, je vais le donner à l'autre. Attends, je vais le mettre. Attends, je le mets, je le mets, je le mets. Bah dépêche parce qu'il... Non, l'autre il va se barrer dans sa cage. Non, je l'accompagnerai. Bah j'y vais, voilà. Oh. Accompagne-le dans sa cage. Il chiale, il chiale, il chiale. Il chiale vraiment. Hein. Il chiale. Merde. Oh putain. Ah bah attends, faut que j'aille chercher du sucre. C'est où? Mais c'est quoi, c'est Minecraft ce jeu ou quoi? Attends, je reviens. Comme si j'en sortais de sa cage. Les mains qu'il a. On chiale. Ils sont où, on chiale mon gamin alors? Hein, arrête. Arrête. Gamin. C'est bon, j'ai vraiment du bruit du chialeur. Hein. Il chiale, genre. C'est bon, j'arrive, il va me voir là, il va savoir que j'ai les bonbons. Sur arrête, moi, arrête, 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 arrête. Arrête. Il sort même pas, normalement j'ai les bonbons sur moi. T'en sortais de la cage aussi ou? Je rigole, il va sortir de la cage, il va nous enfermer dedans. J'entends le zombie. Hein. Mais c'est pas normal ça, normalement il. Allez, bouge tes couilles. Je crois qu'on l'a trop traumatisé. Il est en rampant là ou? Ah oui, il arrive. Ah bah voilà. Ah, vraiment une tête de connard. Oh attendez. Regardez ce bijou. Attends, attends. Faut pas qu'il est. Il est devant toi, il... Qu'est-ce qu'il me fait là? Allez. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non. Hop. Oh, oh. Non mais... Oh c'est mignon. Qu'est-ce que... Ah merde. Allez, par contre tu vas faire que de me suivre. Ça c'est que... Oh. Ok, nous a... okay, on a l'arme, on a l'arme, c'est trop mignon, mais il est tout noir. Bon, on a l'arme, à Thésor, vas-y, go, va faire les boules, vas-y, je te suis. Donc la première étape, c'est vraiment celle-là, on est d'accord. Oui. Ok, c'est parti. Bon, alors, on construit la guillotine, hein, y a pas d'ordre. Ok. Alors là, on a entendu un petit bruit et ça l'a allumé. Quoi. D'accord, vas-y, prochaine. Ensuite de ça. Ensuite de ça. Allez où? Je suis, je sais pas, je suis à tes ors. Oh quoi? Oh là, oh! Salut! Vite, signalez-le! il a un hack! On peut voler. N'empêche que c'est vraiment. Mec, il fait quoi? C'est quoi ça? C'est un. C'est cheveux géants, mon gars. Ouais. C'est trop bizarre. Ils ont quand même de l'imagination, zombies, hein. Faut pas. Faut leur laisser quand même. Hein. Bah ça. Vas-y, à tes ors. En fait, la fin du secret, c'est quoi? C'est la fin du monde. C'est... De quoi, l'étape ou... Ouais, enfin, c'est quoi la résolution du secret? Je sais même pas. D'accord, très bien. Donc on verra, hein, nous tâtons l'inconnu. Ah si, la fin du secret, c'est le truc que je t'ai dit, avec c'est la boîte à appuyer, mais nous, on pourra pas, vu qu'on n'a pas fait tous les secrets de la même façon. Et d'accord. Que Isp, il a pas fait les autres, je crois. D'accord. Effectivement, il ne les a pas fait. Et la dernière, par contre, elle est dans la maison fantôme, donc. Ah, super! Enfin, pas dedans, elle est juste derrière, en fait, donc il faut y passer quand même. D'accord. Je pose ma thune. Ouais, vas-y, pose ta thune, les mecs. Enfin, vous allez voir, on va aller dans la maison fantôme. Ça fait peur, hein, vraiment. Hein. Comment on fait? Bah, il suffit d'entrer dedans. Et c'est où l'entrée? Fallait pas descendre avec moi, parce que moi, je remontais par là, moi. Putain, c'est là. Non, c'est pas là. C'est là, mais tu fais quoi? Je sais pas, t'es où? C'est le tour. Je redescends, j'arrive, je te suis. Apparemment, ça fait peur, attends, fais voir. Bah, vas-y, tu connais vite fait le chemin. Reviens devant, puis. Ah, j'arrive. Non, mais vous êtes rentré dedans? Non, c'est bizarre. Enfin, non, il est devant, il chie dessus. Ah, bah, ça attends, tu vas merde, attends, oh putain, fais chier, non, je me suis trompé de chemin. Attends, j'arrive. T'es non, mais je devrais retrouver, non, je devrais retrouver, je suis dans le saloon. Ah bah c'est là, juste la grande allée. Ouais. Il est déjà dedans lui? Non, y'a personne qui est dedans. Ok, allez on y va, c'est parti. Isp, je te conseille de poser ta thune ou je sais pas quoi. Non, c'est pas grave, on s'en fout. Bah autant qu'il l'air donne à Zidar pour qu'il achète le truc quoi. Allez. Ouais, putain, puis Zidar avait pas de pique. Ah non, je crois qu'il était déjà dedans. Allez, go go go. Oh putain. On tire dessus ou non? Bah, prends ça, ma connasse! Voilà, j'ai plus de thunes, oh là là. J'ai plus de thunes déjà. On va où là? J'ai encore du poids. Derrière la porte, derrière l'armoire là. Et y'a la connasse derrière! Oh, elle est morte. Voilà. Ça fait casse-toi!
Cassez-vous, il y en a tellement. Mais je vais mourir. Mais tirez. Prends le bac. C'est où? Avancez, je vais mourir. Mais merde. Prends le bac. Hein. Avancez, putain, mais putain. On peut pas avancer, elle nous bloque. Je vais crever, moi. Pff, oh là là. C'est horrible, ça fait. Putain, ça fait flipper. Ça fout les jetons. Allez, on avance. Au pire, courez. Rien à foutre. Ouais, courez. On peut pas. Allez, on y va. On peut sauter, là. Oui, saute. Attendez là, parce qu'on va avoir... Et où la connasse? On va avoir un atout gratuit là. Allez, c'est quoi ça? C'est courir vite pour moi. Moi j'ai un truc avec un rapace, après j'ai le truc du rapace moi. Voilà, il y a la dernière boule là. Véhicule autoplasmique. Très bien, donc là qu'est-ce qui se passe? Bah là c'est bon, on a fait ça. Mais y a rien. Normalement si, y a que Zidar qui doit entendre la voix. S'il a eu une voix, normalement il y a que lui qui l'entend. Daniel, je te suis un peu de mal. Moi je sais pas où je vais. Vous avez pris de labyrinthe? Ouais, bah on est dans le labyrinthe, la Zidar il galère. Bon alors attends, bah, comme ça je vais montrer directement. Vas-y, je te suis, on te suit. Par merde, d'accord. Oui, en fait le labyrinthe, faut savoir qu'il change à chaque fois, il y a 6 combinaisons différentes de labyrinthe. Donc, ouais, 6 ou 7, je sais pas, 5 ou 6. Ouais. Enfin, c'est bon, j'ai... C'est un peu la galère quoi. Donc ah. là vous voyez, il y a la fontaine. Celle qui était devant l'église, on l'a pété exprès comme ça. On peut sauter dedans, là il y a un téléporteur. Hop là! Et quand on saute dedans, on retourne au spawn. Et normalement on peut construire la table de navigation ici, mais non, ça sert à rien. La table de quoi? De navigation, tu sais, quand transit ou truc comme ça. Ouais. Tu sais quand même. Ok, c'est cool hein? Ça, c'est... Voilà. C'est pas mal hein, si. Ouais, mais c'est quoi la pièce à maintenir? Je sais pas, il y a une pièce. T'es parti où là, Thésor? Dans le trou? Je suis dans le trou. Non, mais la pièce c'est pour la table de navigation, je crois. Tiens, je t'attrape, voilà. Bon, maintenant il va falloir construire la guillotine. Putain, le pognon. Il a fait des boîtes, on doit aller faire la guillotine. Ouais, mais moi je veux mieux que. Je te suis. C'est qui déjà qui a le truc temporel là? Moi. Ok. C'est où? J'aimerais bien savoir où est le zombie quand même. Bon, bref. Il était dans le trou. Il avait spawn dans. Celui-là. Ah ben, c'est normal. Bon, maintenant on va aller chercher les pièces pour la guillotine. Bah arrête de courir aussi vite parce qu'il faut que je te suive. Ah ouais, putain, ils m'ont donné marathon en hein, truc gratuit. Ah, il est là le rampant. Le rampant de zombie. Je l'entends. Ah, il est en bas là. Check toi. Fais gaffe au trou là. Donc il y a une pièce là donc. J'ai trouvé quelque chose. D'accord, oui, je l'avais vu, c'était un petit cristal là. Moi je l'ai montré, je me suis arrêté devant, je sais pas si vous vous souvenez. Voilà. Donc ça, il y a 4 pièces pour... D'accord. Et moi, du coup, je peux avoir... T'es où? Je suis descendu le trou, là, vers Masto. Masto. Là. Ok. Et il fait tomber, Zidar. Ah, ça, à côté de la boîte, je sais pas, il y a un trou qu'on prend des trucs. Ah, à côté de la boîte, d'accord. Ok, ouais. Et t'es où, maintenant? Ah, oui, là. Ah, j'ai vu le nom sur la boîte, c'est bizarre. Mais les pièces, tu peux aller les poser une par une, de toute façon. Et là t'es parti où? Voilà. Va trop vite à tes heures. Bon, je vais y aller sans courir alors. Il faut prendre la pièce là qu'il avait avant? Non, elle est pas pour. Ah bon, moi je l'ai prise. Oh la guillotine! Oh, c'est une vraie guillotine? Je sais pas, mais elle sait. Attends, on va pisser. Oh! Une guillotine en cristal! C'est quoi? Bon, là c'est la première pièce. Ok, la prochaine est où? Bon, elle est juste là. C'est important de montrer en fait chaque pièce comme ça. Pour ceux qui veulent refaire le secret, ils ont juste à regarder. Puis après avoir construit la guillotine, je vais montrer l'autre truc à construire pour l'autre façon, mais on la construira pas parce qu'elle sert à rien. D'accord. Enfin, elle sert pas pour nous. Donc là, il y avait la parabole ici. Oui, une parabole, d'accord, qui était ici, donc juste au-dessus, vraiment au-dessus de la guillotine. Ouais, voilà. Fais gaffe aux zombies. On peut rien. Ensuite? Ensuite, la troisième pièce. Là. Laisse-moi la prendre, Thésor. Non, attends, tiens, je vais prendre celle-là d'abord, elle est plus... Donc là, il y en a une dans le coin, là, la bobine de fil. Vas-y, je la prends la bobine, voilà. Oh bah merde. Bon bah il a pris la bobine, c'est grave. Bouge. Là, on retourne à la guillotine, là. Ouais. Mais c'est quoi ce truc? C'est pour faire une guillotine.
Avec une bobine de fil. Oui. Parfait. Bah oui. Ça me semble logique. Et la quatrième, la pièce encore plus utile pour une guillotine. Tu vas voir. Vas-y, laisse-moi la prendre, celle-là. Elle est dans la grange. Mm-hmm. Tu vas voir, ça sert beaucoup pour une guillotine. Hein. Attends, je vais voir. Voilà. Où ? Ici. C'est une antenne. Une antenne. Mais les têtes, ça. Je la prends. Allez. J'ai récupéré la boîte à outils que t'as lâché. Ouais, prends-la. C'est pas une boîte à outils, je crois que c'est une batterie. Ouais, mais justement, la batterie, elle sert pour l'autre façon. D'accord. Attends, pose-la pas tout de suite. Attends, je vais montrer l'autre truc, là, viens. Vas-y. Bah, t'es sûr que tu veux le montrer là? Tu veux pas plutôt qu'on pourra refaire une vidéo où on montrerait carrément l'autre façon, hein? Non, mais voilà, c'est ça, en fait. Ça, c'est pour l'autre façon. Le pendu, là. Ah, d'accord, ok. Voilà. Et il faut construire ça pour l'autre façon. D'accord. Il faudra prendre toutes les pièces qu'on a pris pour la guillotine, il faut les mettre là-dessus, c'est ça? Non, ça sera d'autres pièces. Ah, d'accord. Enfin, il y a une pièce en commun. Enfin, la boîte, la truc. Oui, c'est la. Oui, non, c'est là ce que j'ai moi, parce que je pouvais la poser là-bas. La batterie? Non, la. Ah ouais, l'antenne. Là, normalement, Zidane, il entend quelque chose, mais il n'entend pas. C'est normal, c'est la voix de Richthofen, c'est parce que c'est le perso qui peut que l'entendre. Bon, là. J'entends. Ouais, mais bon, ça sert à rien d'entendre, de toute façon. Normalement, donc, c'est. Ok, ensuite. Bah, ensuite, là, normalement, il va y avoir une. Voilà, la lanterne violette, là, qui flotte. Et où? Ah oui. Il faut lancer une grenade dessus pour qu'elle tombe. Attends. Putain. Je vois même pas où vous êtes. D'accord. Devant la maison fantôme, pensez à fumier. J'arrive pas à viser. Non, mais il faut qu'elle explose à côté. Ah, bah voilà. Je l'ai. Non. Non, c'est pas possible. Non. Ah, je crois qu'on peut pas la. Je la prends. C'est bon. Non, je crois qu'il faut que ça soit moi qui la. Pourquoi? Non, peut-être pas en fait. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Ok, s'il faut, je la poserai, je changerai quelque chose. Donc là, normalement, il faut que tu ailles. Dans la maison fantôme, tout seul, faut que tu tues 12 sorcières. Bien fait. Combien? Bien fait. 12. Tiens, 12 sorcières sans masto? 12. Attends, je vais te donner de la thune et tu vas le voir. Oui, parce qu'autrement, je vais pas m'en sortir sans masto. Hein. 12 sorcières? Ouais, en fait, à chaque fois qu'ils vont en tuer une, ça va faire un bruit d'horloge, et enfin, une sorte de bruit de. D'accord, un peu bizarre. Bah, mais... Ah, dans la banque. Et vous allez attendre, hein. Moi je vais faire ça avec la grosse arme méchante. Mais bougez, c'est mon pognon, voilà! Il y a spawn dessus. Mais non, c'est Isp qui a pris encore. Non, c'est. Moi, non. Non, j'ai zéro. J'étais là. Moi, j'ai pas bougé non plus. Bah, vas-y, j'ai pas de thune, moi. Vas-y, dépêche, y'a le zombie. Casse-toi. Non. Ok. Ah, putain. Bon, dépêche. Allez, on y va. Et c'est 2500. Bon, c'est pas grave, là, j'aurai assez. Allez, j'allais te redonner 1000, hein, mais fallait attendre. Et c'est pas grave. Venez. On va faire la manche, j'aurai assez. Ma maman. Non, mais c'est. Putain. On va crever. Mais non, on va pas crever, mais non. Avec les armes qu'on a, si on crève, manche 6. On est vraiment des merdes. Bravo. Venez à côté de la guillotine, on sera tranquille. Ok. Ça peut arriver de là-haut, non? Je sais pas. C'est pas grave. Il faut absolument... Il vole. Ouais, il faut que je fasse des points. Hein. Laissez-moi faire des points, s'il vous plaît. Il est mal de stats. Il fait quoi avec son truc de spot, là? Je sais pas. C'est des paralyses. Non, ça se recharge, c'est un truc à un compteur. Ah. Faites gaffe au dernier, hein, quand même. Parce qu'après, il y a une étape où il faut passer des manches, hein. Faut avoir minimax, hein. À part si on a de la chance et qu'on y arrive dès le début, mais... Minimax. Enfin, là, le minimax, il sert pas, quoi, mais bon. Recharger. Enfin, voilà. On va s'entonner. Je l'ai, moi. Arrêtez un peu. Tu l'es pas tous. Faites attention. Ça spawn encore. Hein. Il y en a là. Ça spawn encore. Hein. Ça spawn encore? Oui. Bah, il y en a qui a spawn là. Moi, oh, j'en ai plus, moi. Attends, il en reste un là. Il en reste un dedans. Stop. Stop. Il y en a encore un derrière toi. Attends, lui, il court trop, lui. Je l'ai tué, c'est bon. Oh. C'est bon? Ouais, c'est bon. Attends, il y en a un là-haut. Yeah, stop, c'est bon, deux. Stop, allez, c'est lui. Bon, on va chercher. Aïe! On va chercher mon stop. C'est pas grave, vas-y. Masto, moi, attends. Non, c'est pas grave, tant qu'il en reste 3 que 0. Ouais, j'avoue. Vas-y, grouille. Okay. J'ai pas... Attends, je suis lourd avec une Elsat. Prends l'autre arme. Je suis en train de recharger. Donc. Ok, j'ai le masto et je vais dans le truc tout seul? Oui. C'est par où? Merveilleux. Si je meurs, vous venez me chercher, non? Vous pouvez? Normalement, tu crèves pas, tu t'avances viseur fixe avec ton laser machin et c'est bon. Ok, bon, bah j'y vais dans la maison fantôme. Je vais mourir.
Tu fais un tu vois où est la sortie, hein, tu passes pas voir la fontaine. Hein. Non, bah de toute façon, il suffit de courir tout droit. Hein. Oui, non, mais d'accord, mais une fois que t'es sorti, tu sais, derrière, une fois que t'es sorti, après, tu vas tout à gauche pour reprendre l'autre sortie. Tu sais, on a fait tout à l'heure. Oui, bah tu. Ah, mais je vais là où il y a le labyrinthe, quoi. Non, tu vas pas dans le labyrinthe, tu reprends la sortie de la maison fantôme. Tu sais, tout à gauche, là, comme tout à l'heure. J'ai pas osé. Bon, c'est pas grave. Pourquoi il court? Pourquoi il court? Attends, je mets 4 coups de like, moi je vais crever. Ah oui, j'entends un bruit d'horloge. Bah voilà, bah continue, faut que t'en tues 12. Encore 12. Ça me fait flipper, elles viennent plus là, j'ai peur. Bon, t'inquiète pas. Voilà, encore un. Ah. De toute façon, quand ça sera fini, ça fera plus de bruit. Là. Ça sera torturant. Mais ça fait tellement peur! Bah imagine ma première partie que j'ai fait sur cette map solo à 4h du matin, je rencontre ces fantômes, bah moi j'ai flippé. J'ai fait combien de coups là tes ors. Je suis chié dessus. En vrai. Allez. Je crois que c'est bon. Non. Non, faut que t'en tues encore. Ah quoique non, moi ça parle, j'entends des trucs. Ah bah c'est... Bah si t'en tues encore une et qu'il n'y a pas de bruit, c'est que c'est bah, bon. Bah c'est bon, j'en ai tué 4 d'affilée. Ouais bah c'est bon, bah ressort maintenant. Je vais pas par le labyrinthe. Attends. C'est à côté de la boule que j'ai allumée, je sais pas si tu vois encore, mais... Ah oui, non mais d'accord, faut quand même que je descende là où il y a le labyrinthe. Eh oui, il faut que tu descendes. Oui, mais tu prends pas le labyrinthe, quoi, tu vas tout là où il y a la boule, je vais où? Bah là, normalement, t'as un gros trou dans le mur, bah tu vas dedans. Ah oui. Mais je suis nouveau dans la baraque, là. Oui. Ah d'accord. Et là, tu continues, puis t'auras un escalier, et après, tu vas redescendre dans la sucrerie. Attends, il y a une connasse, là. T'as zéro argent. Ah, t'as tout chouré. Je sais plus où aller. Ah, il y a des escaliers pour monter, c'est ça? Oui. Oui, voilà. Ah, oui, oui, c'est bon. Ça fait tellement flipper. Oh, ça glisse! Salut. Bon, alors maintenant. Ah. Non, oui, t'as la lanterne. Oui. Alors viens. Et t'es où? Là. D'accord, j'arrive, oui. Attends, mais doucement, toi, t'as marathon. Excuse. Excuse. Il est où? Yeah. Là, venez sur le toit. Ouais. Et mets ta lanterne là-dedans. Et regarde ce qu'il y a sur le mur. Oh là là. Vas-y. Ah, la construction, attends. Je savais pas, je croyais que vous l'avez. Les zombies, il y a les zombies. Voilà. Quoi, il y a quoi sur le mur? C'est quoi? Ah, c'est quoi cette merde? Bah, faut que je déchiffre ça, mais attends, maintenant je connais, donc je vais y déchiffrer rapidement. Moi, ouais, je vais descendre. En fait, donc là, ici, ça, les symboles. Il représente trois phrases en gros. Dans la grotte là. Tu sais où il y a les rails et tout. Il y a, on va dire qu'il y a cinq panneaux. Ouais. Donc un panneau c'est une phrase en gros. Il y a une phrase marquée sur chaque panneau. Et il faudra les taper avec un point taser dans l'ordre qui est marqué ici quoi. J'ai absolument rien compris. Ah bah vas-y fais. Bah, en gros t'as trois phrases ici et tu dois les. Laisse-moi aller voir les phrases là, j'arrive. Non mais les phrases, de quoi, dans la grotte? Non, là où t'es, j'arrive. Et bien justement, il faut les déchiffrer les phrases. Bah je vais t'aider. Et comment? Je sais pas. Nickel. Le verso, tu fais traduction. Alors. Non mais moi j'ai un chiffre maintenant. J'ai juste à déchiffrer la première lettre et c'est bon. D'accord, et bah écoute, voilà. Je vous laisse là, moi. Donc, et je me casse. Attends, la première c'est... Bonne Orchard Wein. Bon, c'est des phrases allemandes en plus, ça me fait chier. Parfait. Donc la première c'est ça. La deuxième c'est. La deuxième c'est Lunger und Dernis. Ouais, trop bien. Et la dernière c'est Consumption Cross. Je sais pas quoi. D'accord, en gros ça veut dire qu'il vaut vers quoi? Bah en gros, voilà, là j'ai déchiffré les trois phrases. D'accord, attends juste, je fais une parenthèse. Est-ce que tu as un lien d'un site pour ces phrases? Non, j'ai juste une photo. Enfin, il y a. D'accord, bah il vous fera un screen et je le mettrai dans la description, comme ça vous aidera sûrement. Ouais. Ok, vas-y. Donc là maintenant, attends, faut que j'enregistre quand même. Enfin, que. Attends, c'est bonne, la première. Lunger. Bonne année. Égyptienne, ok. Donc viens, donc une fois qu'on a déchiffré ces trois phrases là. Vas-y, descends. Ouais, je te suis. Une fois qu'on a déchiffré ces trois phrases là, il faut. Reste avec les zombies, c'est pas. Il faut aller dans la. Bah, dans les souterrains là. Et là, par exemple, on a un panneau là.
où c'est marqué Dry Gulcher. Bon, là, le Dry, enfin, c'est ce panneau-là, il n'est pas dans ceux à taper. D'accord. Il faut chercher les trois bons à taper et les taper dans l'ordre qui était marqué, quoi. Ah, il faut taper avec B? Non, avec Taser. Ah, avec le Taser, d'accord. Alors, il faut chercher les panneaux. Bon, je connais même plus trop les... Enfin, je connais plus trop les endroits, mais ça se retrouve facilement. Je suis, de toute façon. Là, faites gaffe, ça va pas marcher. Bah putain, bah... Non plus. Ah si, y en a un là. La Groon, bah là, les deux qu'on a trouvé, c'est ceux qu'il faut, quoi. Super. Cours pas trop vite, hein. Ah, y en a un autre là. Tiens, bonne. Là, lui, il faut l'utiliser. Vas-y. Ok. Ouais, voilà. Attends, on va retourner en arrière. T'es sûr que c'est dans cet endroit là? Bah oui, parce ouais. Que bonne, c'est la première phrase. Ah. Ouais, bonne, après Lunger, je sais pas quoi, et après... Je cherche les panneaux. Vas-y. D'habitude, c'est pas moi qui fais cette étape, alors les panneaux, je sais plus trop où ils sont. Et bah, tu te démerdes, hein. Si vous en voyez un que moi je vois pas, ah, y'en a un là. Consumption, bah lui, c'est le troisième à taper, donc moi je sais qu'il est ici, il reste ici. Bah, il... ouais. Comme ça, on sait où on doit revenir. Et le dernier, ah, des fois, il est dans les trucs comme ça. À part là, je suis pas allé voir. Non, il a pas là. Là. Lunger. Voilà, c'est celui-là. Donc lui, c'est le deuxième. Oui, ça s'illumine un peu bleu comme ça. Ouais. Alors par contre, ouais, mais Zidane, il a pas le nouvel atout, donc ça va être un peu. Il va pas pouvoir voir la boule. Bon, attends, là, on va juste faire un test. Okay. Et on fera pas cette étape. Enfin, on fera un deuxième essai. Allô. Okay. Ouais. Je l'ai l'atout. Hein. Ah, il l'a, ah, tu l'as, il l'a. Donc là, je tape. Donc là, normalement, il y a une boule d'énergie qui a apparu. Ah oui, elle est là. Elle est là, non? Ouais, voilà. Et alors, je la vois. Quoi je, la vois même... je la vois même pas, la boule d'énergie. Hein. Ah si, elle est là. Ok, c'est que tu l'as cutée. Non, mais elle est là, elle est là. Donc là, en fait, c'est une boule d'énergie qu'il faudra cutter jusqu'... Enfin, quand elle cut, elle va aller n'importe où dans la map. Oui, bah moi, je la vois avec l'atout. Hein. Moi je le vois oui, pas, l'atout je l'ai pas alors, mais pourtant j'ai un autre atout à gauche, c'est quoi? Là, ça doit pas être le bon. Et donc cette boule d'énergie, il faudra la cutter jusqu'à temps qu'elle aille dans la guillotine. Mais voilà. Pourquoi je la vois plus? Parce qu'il y a un temps en fait, il y a un temps pour les cutter. Ah, donc là on s'est fail, c'est ça? Ouais, mais il y a juste à retaper les trois panneaux et c'est bon. Ah, parce qu'il y a un temps, oh mon dieu, ok. Bah normalement, vu que j'ai marathon, normalement je peux limite faire tout seul. Mais... Bah écoute, vas-y, hein, si... De toute façon on a compris le concept, donc attends, je te rejoins là-haut, on refait le truc. Je sais pas si c'est par là, Zi, hein, mais j'y vais. Hein. Non, mais plus. L'ordre, il reste je le même. Je suis pas là. J'ai perdu. Donc en gros, une fois que vous avez déchiffré les trois codes, vous avez juste à taper les trois bons panneaux dans le même ordre. Vas-y, voilà. Bah, là les panneaux c'est bon. Oh, putain, elle me fait chier, viens, on se casse, on les laisse à l'autre. Yes. Les panneaux faut que je les retrouve vite fait. Alors le premier c'est bonne. Ce qui est bien c'est qu'on tourne pas trop en rond. Ouais, je sais plus comment on y va là-haut. Par le saloon. Ah. Par le saloon là-bas. T'es où? À gauche là, le saloon. Là le gros, tu vois, c'est gris saloon là-haut. Ouf. Je rigole. Putain. Oh putain, il y a une table. Y a pas des pièces là à récupérer? Il y a un truc ici en fait, viens voir Zi. En attendant qu'il fasse le truc, en fait là vous voyez, il y a une ligne. Et là en face vous avez une cible en fait. Si vous avez un couteau balistique et que vous visez le milieu de la cible, il y a le piano qui est ici qui va se mettre à jouer. Ouais. Et après dans la maison fantôme, il y a un fantôme qui joue du piano. Et en fait vous allez lui taper l'épaule et elle vous donne un atout. Non. Pour en payer en 10. Ouais, ouais. On le fait. Ah, tu vois, on peut le faire après, ouais. Il faut juste avoir un balistique. Ouais, je suis bon. Attends, moi je refais vite fait les panneaux là, il en manque que. Alors attends. Lunger et le dernier Consumption. Putain. Donc il faut la cutter, on est d'accord. Hein. Ouais. Ok. Donc elle va apparaître juste là de toute façon. Elle est là, il est là, connard. Ouais, putain. Ok. Allez, on la cut. Bah putain. Go, elle est où? Là-bas, en bas. Là. Cut. Là, elle est ici. Là maintenant, elle est à. Across là. Putain, ça c'est pas normal, non, on va pas directement là. Ah ok, il faut passer. Ah non, ok, bon, ouais, on a fail, on peut pas, parce que là il faut repasser, ok. Ah, je suis arrivé dessus, elle a disparu. Non mais tu peux pas monter là, il faut passer par le trou de dessus, donc... Ah d'accord, ok, donc faut refaire. Donc je sais qu'il faudra passer par ce trou là, ok.
On est votre temps. Je les potes. Isp, il doit avoir envie de vomir, je pense. Pas du tout, en plus avec marathon, sans ce que ouais. Au pire, le mieux, c'est que vous restiez vous en bas, au cas où si j'arrive pas à aller la rechoper. Bah ouais, vas-y, reste en bas, remonte pas dans les conduits. Trop tard, hein. C'est... Ah non, je suis où, attends. Bah t'es juste là, t'as juste à aller tout droit et prendre le trou. Moi je suis à Conception, là, je t'attends. Voilà, je suis en bas, je suis où il y avait, on a fait la boîte au début, là. Donc là, attends, bonne... Des ouais, je vous passerai le. Ouais, tu passeras le truc pour déchiffrer les codes. Parce que déchiffrer sans l'aide d'internet, ça c'est chaud quand même. Il faut prendre un bout de papier et faire. C'est super. C'est impossible pour quoi. Bah si c'est possible, mais il faut prendre un bout de papier et genre tu sais, tu fais un tableau avec 3 lettres dans chaque case et après voilà, mais c'est super chiant. Thésor il a bac plus 2 zombies. Ok, allez. Ok, je vais ensuite va là. Ouais. Après il faut que je prenne notre trou donc c'est à dire qu'il faut que je passe, non il faut que je repasse par là. Que je tombe dans, oh putain mais je vais jamais y arriver. Bon, je tombe dans ce trou là. Tu l'as eu? Elle est là-bas? Ah si c'est bon, elle est dans la ferme. C'est bon je l'ai? Ah vas-y nice. Allez elle est là-bas, non c'est bon j'y vais. Vas-y je suis derrière toi. Oh la crosse. Non là elle est... Elle est dans le truc à banque. Enfin, non c'est bon je l'ai. Tu l'as? Nice ouais. Je suis pas loin. Non, elle est... Oh putain elle est là, mais c'est quoi ce... Comment on remonte? Vite, vite, vous l'avez. Ah, je peux pas. Non, elle a disparu devant moi. Bon, ok, au moins on connaît l'ordre. Ouais, bon, c'est que. Yazzy, essaye de rester ici, là, tu vois où je suis. Allô. La première fois que j'ai fait cette. La première fois que j'ai. Attends, je reste là-haut, c'était Théo. Mais moi, je la vois pas, la boule, j'ai pas la toux. C'est normal, c'est pas grave, reste ici. Ouais, mais s'il a pas la toux, ça, il pourra pas la cuter. Ah ouais. Bah, il la verra pas. C'est quoi? Attends, je vais à la banque chercher de l'argent et je vais chercher l'atout. Vas-y. Et après, tu reviendras ici. Ouais. La première fois que j'ai fait cette étape, j'ai fait 6-7 tentatives avant d'y arriver. Parce que on connaissait pas l'ordre, on savait pas s'y prendre. Bon, j'ai les zombies qui me suivent, Isp. Moi, j'ai toujours. Attends, t'es où là? Il faut que j'aille où déjà par le saloon, c'est ça? Ouais, attends, je suis en train de réactiver les panneaux là. Comment on connaît l'ordre? Pour cette étape, je vous conseille de faire 3-4 essais, histoire de connaître l'ordre que prend la boule d'énergie. Et comme ça, après, ça facilitera les choses. Genre, les autres, ils se mettent à des endroits que la boule arrive, et comme ça, on perd pas de temps, quoi. Comme ça, elle est sûre de pas disparaître. Ok, bon, j'arrive avec toi. C'est bon, j'ai pris l'atout, là. Tu sais ce qu'on va faire à Thésor? Je vais déjà mettre au deuxième endroit. Comme ça, t'as plus qu'à attendre au trou ici, puis tu tombes dans le trou, toi. C'était où que fallait que j'aille pour la boule, là? C'était en haut de la maison. Bah, tu la verras, de toute façon, essaye de la suivre. Où il y a les phrases bizarres, là. Tu te mets juste devant le saloon, et c'est à côté, normalement, juste... C'est juste à côté du saloon, tu verras. Enfin, on va bas, arriver en bas ou en haut? En haut, en haut. Comment je fais pour monter? T'as des échelles... Vraiment, t'as des escaliers un peu noirs, comme ça. Vas-y, à Thésor. Code celui-là, moi, je vais au prochain, toi, va déjà dans le trou. Là, normalement, Richtofen, il dit ça, il dit quelque chose à chaque fois que j'active. Vas-y, c'est bon, prochain. Non, mais je sais pas, j'arrive pas à monter en haut. Ah, mais c'est bon, elle va pas être tout de suite là. Attends, je vais passer par le saloon, non? Je sais pas s'il faut que je passe devant. Non, mais là, je l'ai, c'est bon. Là, hop. Là, elle est ici. Attends que je connais l'un, je vais pouvoir un peu anticiper. Je crois que c'est bon. Pas sûr. Là, après, ici, elle va être là-bas. Ah, oui, c'est bon, je la vois. Là, elle est par terre. Ouais. Elle est dans le souterrain de la banque, c'est bon, je vais pouvoir y aller. C'est bon, allez, non, man. Ah oui, dans le souterrain. Mais ton cul. Oh, ça me... Là-bas en haut. Allez. Bah putain, ça a changé l'ordre hein, quand même. Hein. Moi j'ai pas le point taser. C'est pas grave, toi. Ah, y'a pas besoin du point taser. Vas-y, cut. Vite. C'est bon. Je l'ai. C'est bon, elle est dans la guillotine. Ah, ouais, elle est la guillotine. Faut la cuter. Maintenant, ou pas faut faire quoi? Alors maintenant, c'est. Il faut tuer 5 zombies à côté.
En fait, vous allez voir quand il y a un zombie qui va venir, il va prendre de l'énergie par rapport avec la boule, il faudra la tuer. Et... Bah, laisse-les venir, ils sont. Toi, il y en a un qui arrive là, ils sont là-haut. Attends, attends. Voilà, là, il faut le tuer. Là, tue-le. Ok. Là, vous avez vu, là, il y a une petite boule à côté. Il y a une boule qui tourne autour du cristal. Il en faut 5. Bah, de toute façon, Rich, voilà, mais moi, j'ai un truc pour, dans... pour remonter le temps là, je fais quoi de ce truc? C'est après, une fois qu'il y aura les 5 boules d'énergie. D'accord. Bon, bah, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser un rampant. Enfin, un rampant, un zombie. Donc, il faut laisser que ce... la lumière le capte et. Ouais. Et avant d'activer le truc là, pour remonter le temps, je vais expliquer ce qui va arriver après. Il y en a un goût, là. Bon. Tue les autres. Bon, là, faut les tuer, hein, parce que bon, on va y rester. Allez. Là, à gauche, là. C'est bon. Encore une. Encore un, je veux. Lui, vas-y. Là, Richtofen, il a parlé. Ouais, normalement, on pourrait faire l'étape d'après juste là maintenant, mais bon, je vais attendre pour expliquer un peu quand même, parce que les zombies en même temps. C'est d'avancer quoi, un peu pour départager les zombies, sinon vous allez être pris en gangbang là-bas. Bon, avec les 4 lasers, ça me plaît. Ouais. Et où la boîte? Elle est. Elle est. Je sais pas, je la vois pas non plus. Laissez un zombie. Hein. Un seul? Ah non, il y en a encore. Ouais, ou deux, ou n'importe. Ça se spawn encore. Hein. Ouais, ça se spawn encore. Hein. Des gonzesses. Voilà, bah, je sais pas où elle est. Ça se spawn plus, je crois. Attends, je vais essayer de la trouver. Oui. Je la vois pas. Hein. Pareil, j'ai pas. Aïe. Normalement, on a pas besoin de la boîte, hein, c'est pas grave. Ah, mais s'il a des trucs. Non! Tu es plus, hein. Stop. Ouais, y'en a un là, laisse-le. Maintenant, on va où? À côté de la guillotine. Bah, c'est bon. On y est. Bah, va rien. Alors, prends. Attends, quelqu'un garde le zombie. J'arrive. Il y en a deux, non. Bah, attends, lui, je le tue. Il m'a bloqué. Ils m'ont bloqué à deux, voilà. Non, oh, je vais aller rechercher. C'est juste à côté. Ah mais t'as plus besoin de la tout normalement. Ouais, je vais juste prendre le stuff. Attends. Non, t'as plus besoin. Ok, donc maintenant. Alors, là tu vas prendre ton truc pour remonter le temps. Dans les mains. Attends, oui, c'est bon. Viens vers la guillotine. Oui. Alors là tu mets la là mets-toi sur la plan. Ta gâchette de gauche, là, tu fais la gâchette de gauche. Ouais. Et bah tu lâches quoi. Ah. Voilà. Reprends ton arme normale là. Ok. Pas faire de fausse manip. Donc là, il faut que tout le monde soit à côté de la guillotine pour l'activer. Bah, une fois qu'il l'activera, on sera en gros, on sera dans notre futur, donc on sera une manche infinie. Ouais. Alors dans cette manche infinie, il y aura nos quatre cadavres. Il y a un petit chrono à gauche là. C'est normal, c'est-à-dire que c'est pour remonter le temps. On sera. C'est pour dire là. Safe, donc une fois qu'il aura activé le truc, on sera dans notre futur, il y aura nos 4 cadavres. Vas-y, faut faire quoi là? Bah là tu le prends et tu l'actives. Vite. Voilà. Donc là, il y a 4 cadavres dans la map. Il faut les chercher et il y a un objet à prendre. Des cadavres de quoi? Des cadavres de quoi? Bah les nôtres. Ah, vous n'avez rien trouvé. Ouais, c'est parce que j'en ai déjà trouvé un. Alors les cadavres, ils peuvent être que à côté des bâtiments. Ils peuvent pas être dans les bâtiments, donc pas dans la maison. Par contre, essayez pas de tuer les zombies, ils sont invincibles, j'ai oublié de le dire ça. D'accord. Faut juste courir en fait. Et dès que tu trouves un. Non, c'est pour ça que j'ai des singes en fait, c'est utile pour ça. Ah, oh putain, oh la chance. Quoi? Là, je l'ai trouvé l'interrupteur, c'est bon. Ça fait quoi? Bah, ça, c'est la pièce qu'il faut. Alors par contre, si y en a un qui crève, comme moi là, essayez pas de me réanimer, ça sert à rien. D'accord, donc on fait quoi? On attend que ça dure une minute. Je peux pas arrêter le truc moi-même? Non, faut attendre. On a trouvé combien? Faut trouver encore des trucs là? Non, c'est bon, j'ai trouvé, c'est bon, ça suffit. Ah, t'as tout trouvé? Donc il fallait donc. En fait, le fait de trouver des cadavres, ça servait à quoi du coup? Bah, en fait, il y a nos 4 cadavres dans la map, et dans un des 4 cadavres, il y a une pièce à ramasser. Et une fois que t'as la pièce, tu la construis à la guillotine. D'accord, vas-y. Fais gaffe, il y a des zombies derrière, arrête. Les zombies, attends, on va les bouger de là. Mais attends, je l'ai plus parce que je suis mort, je crois. Mais tu sais où elle est? Tu peux la récupérer? Bah, j'espère. Sinon, faut refaire cette étape. Ouais, sauf que j'ai plus de trucs de temps. Et c'est pour ça qu'il faut faire des manches pour minimax. Et même... Ah, non, si, c'est bon. Je peux la reprendre, elle est là. Ouf, ok. Éloigne les zombies de. Comment? De la guillotine. C'est loin. Ah, y a pas. Ouais. Donc, en fait, cette étape, il y a juste à faire ça, à se mettre à côté,
Et une fois qu'on est dans la... Donc oui, par contre, les cadavres, ils changent de place à chaque fois hein, que vous recommencez cette étape. Et là, maintenant, on fait quoi? Là, maintenant, ça va être dans le labyrinthe. On va au labyrinthe, donc on a traversé la maison fantôme. Ouais, je posais ma thune. D'accord. Il y a les zombies, là. Moi, je peux aussi déposer ma thune ou pas, en fait? Ouais, ici. Et on peut poser combien? Bah, 1000 par 1000. Ok, j'ai 900. J'ai mis 2000. Alors, là, j'avoue qu'on a eu beaucoup de chance. Hein, attends, j'ai une clé là, maintenez. Pourquoi est-ce que je vois la boule de lumière hein, parce que c'est celle qui est dans la guillotine. J'ai une clé verte bizarre là, je la prends ou pas? Bah, c'est pour délivrer l'autre, mais on le délivre pas tout de suite. Ça sert à rien. Attends, ouais. Vous êtes où là? Bah là, on est juste à la sortie. Ouais, donc cette étape, il faut juste ramasser un interrupteur dans un des quatre cadavres. Donc, le mieux pour cette étape, c'est que quelqu'un ait les singes. Comme ça, les zombies, ils me dérangent moins. Parce qu'ils sont invincibles, les zombies, donc ça sert à rien de leur tirer dessus. Il faut juste pas crever, quoi, parce que si on crève, bah... D'accord. Déjà, bah, l'étape, elle est foirée, et puis la partie aussi, quoi. Ah, si. Donc là, on peut louper le secret, quoi. Avec cette étape, oui, on pouvait la louper, si on crevait tous. Ah, bon, bah ça va, alors, on a passé le plus dur. Vas-y, non, je te suis. Enfin, on a peut-être passé le plus dur, mais pas le plus chiant. Nickel. Faire quoi, là? Faut aller dans la maison hantée. Bien. T'es où? Il y a encore les filles là ou je sais pas quoi? Oui, un fantôme. Bien, Isp. J'arrive. Avancez viseur fixe avec votre truc et avancez tout doucement. De toute façon, on s'en fout de notre pognon hein, parce que la maison fantôme, il faudra y retourner 5-6 fois d'affilée, minimum. Mais ça va faire peur. On est parti. C'est bon, Anil? Ouais, j'arrive. Go. Faut juste pas qu'elle nous flingue, essayez pas trop d'avancer parce que moi j'ai essayé de trop avancer. Ah plus à tes ors. Pourquoi il y a une armoire là? Il faut attendre, ils sont dedans eux. Et... Bon, moi je peux pas tirer. Par derrière. Que... pas derrière ou pas? Regarde le derrière. Il y a rien derrière. Je suis passé moi. Ah non, il y a rien derrière, moi aussi je suis passé. Venez si vous pouvez, non? D'accord. Par contre il restera deux zombies. Tu as pas les deux? Non, si, il faut en tuer un. Parce que les deux vont nous faire chier. Venez, sortez dès que vous pouvez. Voilà. Non, en fait, on va garder les deux. On garde les deux? Donc là, on va dans le labyrinthe. Donc... Non! Stop. C'est où? Donc là, comme on peut voir, il y a un levier. Ouais. Donc dans le labyrinthe, il y a quatre leviers un peu partout sur. Il faut activer les quatre en même temps? Non. Ah. Il faut les activer dans un ordre précis. D'accord. Comment on sait? Et pour savoir l'ordre, alors bon, déjà pour commencer, il faut faire un ordre au pif. Ah, pour tester? Ouais, pour tester. Ok, et... bah attends, bah, je vais activer celui qu'on a vu là. Ouais, mais attends, il faut y retenir parce qu'en fait, on va dire que. Bah venez, on trouve les quatre et puis on se met chacun un truc. Ouais, voilà, bah, c'est ça qu'il faut faire. Et une fois que le quatrième est activé. Montre-en deux. J'en ai un, moi, j'ai un vert là. Ah, mais justement, les leviers ils changent de position des fois donc. Ok, moi j'en ai un, j'y suis à 1. Dites-moi quand il faut appuyer. Attends. Comment on trouve, nous? On connaît pas, hein. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Non, viens. Mais ça ressemble à un petit levier sur une porte. Sur une porte? Ouais, sur une porte. C'est forcément sur une porte? Ah, j'en ai un. Ah, ouais, attends. Ouais, vas-y, bah reste ici. Et moi, je vais où? Attends, t'es où? Vers toi. Bah, attends, on va t'en trouver un. Normalement, ils sont là. Parce qu'en fait, une fois qu'on a fait genre un essai, quand on aura activé le quatrième levier, il va y avoir une étincelle, un levier qui est bien positionné. Voilà. Okay. D'accord. Bah, dis-moi. Attends, je cherche le dernier. Attends, t'as lequel, Nil? Un bleu, vert. Moi, il est vert. Moi, j'ai jaune. Ok, bah le bleu, je sais où il est. Il était... Moi, le rouge, je l'ai. Ok, bah attends, je vais y retourner. Oh putain, mais non, c'est moi là. Ah pardon, excuse-moi monsieur, je vole. C'est pour aller plus vite. C'est bon, j'ai le bleu. Donc on fait quoi comme combinaison au pif? Bah je commence par le vert, allez. Vas-y, je fais jaune après. Je l'ai mis. J'ai mis jaune. Vas-y, fais le rouge. C'est bon. Alors là, je vais activer le dernier. Donc regardez bien votre interrupteur si vous avez une étincelle ou pas. Moi oui.
Ok, donc ça veut dire que le vert, il est en première position. D'accord. Obligatoirement. Personne d'autre en a eu un? Non. Ok, alors, on fait quoi? Ça va remonter? Non, alors là, par contre, il faut reprendre la fontaine obligatoirement. À parce 4 que le... On y va tous les 4? Ouais, il faut prendre le trou de la fontaine obligatoirement. Et à chaque fois, on va devoir se retaper les fantômes? Parce qu'en fait, là, les leviers, on peut plus les désactiver. Et le fait de reprendre... Notez l'ordre. Le fait... Non, mais là, l'ordre, il change pas, c'est juste... C'est le vert, donc vert en premier. Ouais. Le fait de prendre le trou de la fontaine, ça va pas réinitialiser le code. Si on sort par la maison fantôme, ça va réinitialiser le code, ça sera plus le même. Donc, ça va être assez chiant. D'accord, ok. Bah, trouvez-nous et... Voilà. Moi, je suis paumé, hein, perso. Ouais. Regardez les flèches, non, on peut pas se voir. Attends, je viens vous chercher. J'y suis, moi. C'est pour ça qu'il y en a un peu plus, là. Dites-moi quand vous êtes arrivé, j'y vais. Tu peux y aller. Oh, vas-y. Voilà. Donc là, voilà, nouveau labyrinthe. Donc là, il y a le bleu. Je déteste ça quand tu rentres dans la porte, il y a l'autre qui te passe juste la tête, ça me fait flipper. Et je peux y aller, moi, ou pas, là, dans le truc? Oui, vas-y. Ah non, attends. Trop tard. À peine t'es rentré, j'en ai une qui m'est tombée dessus. Ok. Il y a le jaune juste derrière la porte que je viens de voler. Moi j'ai le bleu là. Bah ouais. Donc l'ordre c'était... Attends, là il y a le rouge. Vert, bleu, jaune, rouge. Reste là, il y a le rouge. Ouais, monsieur. Moi je suis au bleu. Moi je suis au jaune. Vas-y, Darl. Attends, je vais essayer de trouver le rouge, mais attends. Non, le rouge je l'ai, attends. Tu dois trouver quoi, moi? Le vert. Le premier. Je sais pas où il est. Bah cherche. Il manque le vert. Non. Bon attends, je suis en train de chercher. Je suis en train de... Je peux voler les portes. Là, je suis à côté des vis pour rouge. Bah, moi, le jaune, je l'ai là. Ok, donc ton vert. Attends, je vais te le chercher, ton vert. Je sais pas où c'est. Ok, là, il y a le bleu. Et au secours. Là, il peut pas manquer, hein, parce que... J'ai le jaune. J'ai trouvé le jaune. Oui, bah, mais le jaune, normalement, c'était le mien. Bon, bah, alors, je vais chercher le vert. Vas-y, je reste jaune. J'ai temps de me balader aussi, comme ça, on perd moins de temps. Oh, je m'ai trouvé le vert, je crois que c'est là. Attends, ici, je suis pas allé. Ah, voilà, c'est moi, il est là. Tu es là? Oui, j'ai le vert. Attends, t'as le vert? Oui, j'ai le vert. Ah, attends, je retourne au bleu, moi. Ouais, c'est bon, j'y suis. Donc on a dit, attends, mais pas qu'on se gourre, hein. Vert, bleu, jaune, rouge. Vert, bleu, jaune, rouge. Alors, vas-y, mets le vert. C'est bon, je l'ai mis. Ok, j'ai mis le bleu. Vas-y, le jaune. Attends, j'ai le zombie, 2 secondes. Jaune, c'est bon. C'est bon. Et là, il se passe quoi? Ah, c'est bon, on a réussi. Il se passe quoi, là? Il y a la petite musique, là. Ah oui, oh yes. Là, je danse, dans ma chambre comme Jésus. On doit retourner dans le trou ou pas? Ouais. Je suis perdu, putain de merde, de labyrinthe de con. Et maintenant, dernière étape. Alors, la dernière étape, par contre, il vous faudra tous PDW et passe-passe. Quoi? Ouais, c'est plus simple. PDW et passe-passe. Non, moi, vous avez trouvé un trou ou pas? Ouais. Oui. C'est... Attends, bah la PDW. Il y a un écho ou c'est moi dans le... Oui, il y a un écho, ouais. C'est peut-être moi, attends. Et pourquoi la PDW? C'est bon. Parce qu'elle a 50 balles. D'accord. Et la LSAT, ça va pas? T'as du shoot avec la LSAT Ouais. Moi j'ai la HMR. Et parce que quoi, on fait un match DE là ou quoi? Non, il faut tirer sur des cibles le plus rapidement possible. Ah oui, ça j'ai vu. Non, attends, je vais pas y mettre là. J'ai vu qu'on décide qu'il y a la... Mais t'es où là? Il faut aller où? T'es où à tes ors? Je sais pas où faut aller. Non, je vais juste poser la PDW. Mais elle est où la PDW? C'est pas ouvert. Mais la PDW, il faut que je la dessine. Mais attends, j'ai plus de... Oh, tu vas à la banque, moi, attends. Comment tu fais pour récupérer ton argent, la banque? Tu vas derrière le comptoir? Non, devant, à droite. Non, là, devant, tiens. Là, juste devant. Le premier, là. Là. C'est bon, j'ai mon pognon. Bah, en plus, enfin... Grouille-toi, il y a le zombie. Prends-le, pour que je retire. Je me casse. Il veut pas... Non, mais de toute façon, pour cette étape, il va falloir le mettre en rampant et le donner à l'autre. Moi, je pense pas pouvoir retirer, hein. Je crois que j'ai tout pris ce que j'avais chez moi. Okay. On se casse. Donc... Je vais aller poser l'arme. Bon bah je vais la mettre où, attends. Oh, vas-y, elle est où la PDW?
Elle est en haut là. Attends, je vais la poser. Moi je suis avec Isp, vas-y. Je suis au tribunal. C'est où? Au saloon. Au saloon, nous. Ouais, bah va comme si tu voulais aller à la maison hantée et c'est la grande maison. Bah tout droit quoi. C'est à gauche là? Ouais, c'est le tribunal. C'est à l'étage. Convoqué au tribunal. Comment on fait pour aller à l'étage? Il y a un escalier à la droite. Mais non. Là! Nickel. Hein? Ça, j'ai posé une HAMR pour une BMW quoi. Ouais, par contre, ouais, il aurait fallu passe-passe, mais bon. Elle est où? Là! Au mur! Ah là, oui. Moi j'ai une tête de mort dessus, je voyais pas. Vas-y, ok, c'est bon. Ensuite. J'ai pas passe-passe. Mais... Oh, pas besoin de passe-passe. Bah, c'est pour recharger plus vite. Alors, oh putain, il faut libérer l'autre PD là pour qu'il prenne le rampant. L'autre quoi? Oh, il dit des gros mots. Ah, là, je veux dire. Attends, on va chercher la clé au pognon là. Ouais. Attends, donc, je vais prendre voilà, c'est mieux. Je vais prendre un peu d'argent pour passe-passe. Vas-y. Voilà, j'ai 3500. Ça va, ça sera pas trop trop longue la vidéo. 1h31. Oh. C'est un secret. Ça va, enfin, normal quoi. Ah, ouais. Sinon, ça leur fera un film à regarder, c'est sympa. J'ai mis 2h30 la première fois le secret. Oh, oui. Tu me diras, Thésor, on a bien fait une vidéo en zombie sur Nuketown de 2h45. Ah bah, voilà. Avec plus d'un million de vues, donc je pense que les gens avaient apprécié. C'est ça, t'es un peu sûr. C'est ça. Bon, attends, je prends passe-passe. Il faut aller où une fois qu'on a passe-passe? Attends, j'ai déjà donné du sucre à l'autre, là. Enfin, bonbon. Moi, je suis devant la cage du gros. Mais il est sorti? Oui, c'est normal. Attends, je le mets en rampant. Il a la même coupe que Max. Oh, le pauvre. Un gros bisou à toi, mon Max. Cut-le. Cours, mon fumier. Mais quoi? Parce que pour cette étape, au moins, comme ça, il fera pas chier le zombie. Il a un chapeau, il a un chapeau. Il a un chapeau, le zombie. Il tombe pas, il est greffé sur son crâne. Bon, vas-y, go. Vas-y. Ok. Donc là, venez. C'est la dernière étape, là? Ouais. Moi, je suis un manchot, moi. J'ai dessiné la PDW, je l'ai même pas acheté. Donc tu l'as... On t'a tous suivi, au fait, hein. Pour acheter une PDW. Je savais pas. Vas-y, on va où là? Alors là il va y avoir ça à activer à la fontaine. Là c'est marqué. Faire un vœu? Je le fais. Alors... Bah, t'es pas prêt. En fait t'as des cibles un peu partout dans la map qui vont se mettre et il y a 4 zones. Donc un par zone. Ah, attends, tire pas dessus. Hein. Alors chacun, moi je garde le manoir parce que je le connais par cœur. Attends, mais tu fais quoi? Allez où? Alors il y en a un qui se met ici à la sucrerie, donc il va y avoir des cibles dans la sucrerie. Je me mets dans la sucrerie moi. Non, faut pas que tu te mettes dedans, faut que tu te mettes là. Ah ok, je me mets. Dis-moi, viens avec Yves et tu nous mets à des endroits bien. Ah mais moi 100 balles, je vous rappelle que je peux pas faire grand chose. Mais faut que t'achètes la pièce. Attends, je vais te donner de la thune. Vas-y, viens. Toi Zidar, tu préfères à côté de Masto ou dans le salon? N'importe. Bon, fais le saloon alors. C'est où? Je me mets où? Tu te mets... Bah de toute façon on va refaire des tests pour... Parce qu'il faut apprendre un peu par cœur hein, parce qu'il faut aller vite. Tu te mets à peu près ici. Là, okay. Ouais, là c'est bien. Ok, je reste là. Je vous attends, hein, je suis au truc. Attends, je vais te le dire tout de suite. À la fin du truc, où il y a les cibles, t'en auras une ici. À chaque fois tout le monde l'oublie donc... En bas? Ouais, en fait, t'en auras deux en haut, ouais. Et t'en auras une ici. Et à chaque fois, tout le monde l'oublie, celle-là, en bas. Ok. Bon, il s'attend à la banque, je vais te donner de la thune. T'as pas passe-passe, je suis sûr. J'ai tous les atouts sauf passe-passe. Attends, t'as combien des atouts? 4. Ah merde, tu pourras pas l'acheter, passe-passe. Bon, bah, tant pis. Pourquoi? Parce qu'on peut en avoir 4. Que 4, après les autres, faut les avoir gratuits. Oh, tiens, viens à la banque et prends les 3000. Ouais. Ouais.
Et les cibles, faut faire dans quel ordre? Enfin, qui doit tirer avant qui? Non, mais non, il n'y a pas d'ordre, faut juste tous les abattre. Tout péter? Ouais. Alors, par contre, il me semble, mais je suis pas sûr, hein, c'est juste ce que j'ai constaté, c'est que pour l'étape des cibles, il faut pas louper la première balle. D'accord. Ouais. Il faut tuer toutes les cibles, parmi... bah, tu vas tirer toutes les cibles sans louper la première balle. Bah écoute, moi je suis prêt, dis-moi quand je dois appuyer, quoi. Non, mais de toute façon, on va appuyer plein de fois jusqu'à temps que vous sachiez un peu toutes les cibles, où elles sont et tout. Bah vas-y, alors viens appuyer ou j'appuie. Mais moi, il faut que je reste ici à tes heures. Mais c'est... Alors, les cibles, on est d'accord, c'est des cow-boys. Oui, bah tu te mets à peu près là, parce qu'il y en aura une sur le caillou, là, donc faut que... attends, Is, t'es où? Je suis près de ma tour. Ok, bah attends, mets-toi ici, là, à l'étage, là. Ça va être le mieux. J'avais vu un mec qui l'a fait d'ici là où il y a écrit banque. Hein? Là, un mec qui faisait le secret, là, il était au niveau du banque. Là. Ah oui, il peut aussi, mais enfin. Ouais, tu peux te mettre soit là, soit... Bah, après, c'est toi qui vois, mais. Bah, de toute façon, je verrai bien. Bah, moi, ici, c'est bien, ça peut être bien quand même. Faut juste pas que tu loupes celle qui. Parce qu'il y aura une cible ici. Derrière, enfin là-dessus. Là. Ouais, le bitch, d'accord. Faut pas que tu la loupes. Il y a le gros qui est juste devant. Ah, bon. Non, mais il va me suivre. J'appuie ou pas? Ouais, puis moi je connais l'ordre par cœur, donc vous regardez bien. Ok, c'est parti. Tirez pas, hein, ça sert à rien, hein, regardez juste où sont les cibles. C'est dans le même ordre à chaque fois? Ouais, c'est le même ordre, tout le temps. Oh, bah, c'est hyper chaud! À combien? La première fois, j'ai mis 30 minutes à le faire. Hein. Il y a combien à faire? Le mec, il y a combien de cibles? Le truc, ça dure à peu près une minute. Non. Quoi? Non, vas-y, ça sert à rien, on aurait dû tirer, on va pas retenir tout l'ordre. Non mais regardez juste une fois les cibles, où elles sont, et puis après... Oui, où elles sont, après, enfin, vous faut juste se dire qu'elles soient tout le temps au même endroit. Il y en aura une là sur ma pierre, moi là-dedans, là-bas et là. Finis-moi. Ok, bon, vous êtes prêts? À tes heures, retourne à ton truc. Mm-hmm. Le truc, c'est qu'il faut bien pré-shoot, quoi, c'est ça le truc. Enfin, pré-shoot, voilà. Quoi. Deux secondes. Ah, je peux te dire, moi ça m'a travaillé mon shoot, hein, ce truc. Qui a perdu 1200 points là? Il y a eu quoi? Moi j'ai plus d'aim. Ok. Quand vous voulez. C'est bon, Vas-y, non, go. Allez, go. Sans tirer. Il n'est pas loupé, il n'est pas une bonne. Non plus. Aïe. Ça va me rendre ouf, hein. Attends. Pas possible. Ah, oh, ça y est. Oh, j'ai un peu dit. Mais pourquoi on a pas eu de succès? Si, succès de verrouillé, moi. Ah, tu m'as fait flipper. Bravo. Oh, putain. Bravo, mesdames et messieurs. Bravo. Oh, là, il y a eu une coupure dans la vidéo, mais vous inquiétez pas, on a mis que 5 minutes. Hein. On a fait un one shot. On est trop fort. Pour la peine. Non, je vais pas tirer sur le gros. Attends, maintenant, venez. Attends, putain, je suis en maintenant, ta gueule, alors on va se coucher. Dormir. Manger et dormir. Alors, ça, c'était la première étape. Donc là, on est à l'intro du succès, en fait. Il est là sur BO1. Ah ouais. Isp, viens vers nous, là. De quoi? Viens vers nous. Viens à la maison hantée. Trop bien. On doit faire quoi, là? Là. Attends. En fait, je vais montrer le truc qu'on peut pas activer, mais je vais le montrer quand même. Viens. La bouche pleine, hein, ce gros dégueulasse. Faut pas rater une balle, hein, c'est ça. Hein. Faut pas rater une balle, mais rien. C'est une balle, hein, c'est bien. Ça, là, voilà. Quoi? C'est quoi, ça? Il est où? Ça, pour l'activer, faut que ça soit tout en bleu ou tout en rouge. Alors, en rouge, c'est les secrets de Maxis, et en bleu, c'est les secrets de Richthofen. Ouais, c'est pas bleu. Donc là, quand t'appuies sur Select, en fait, ça met l'ordre. Donc, genre, toi, en haut, t'as pas fait celui de Transit. Oh. Isp, il a pas fait celui de Transit et D-Rise. Ah. Et Sidar et moi, on a fait celui de Transit avec Maxis. Ah bah oui, on l'avait fait. Vous aviez tout fait en fait. Ah d'accord. Ah ouais. Et pour ouvrir la boîte, il faut que ça soit tout en bleu ou tout en...
Voilà. D'accord, reculez que je puisse montrer, voilà, nickel. Mais casse-toi, je dis, ouais, c'est ils sont gros cul, là. On a tout fait pareil. Ah ouais, d'accord. Ouais, ah, ouais, toi et moi, moi j'ai juste pas fait transit, en fait. Ouais, tu l'avais pas fait parce que t'étais pas chez toi, donc on l'avait fait à pas. D'accord. Bon, on a fini. Par contre, j'ai pas bien compris la dernière étape, on peut pas la recommencer. Oui, vas-y, attends, appuie sur la fontaine. Donc voilà, vous avez vu, donc la dernière étape de ce secret est juste infernale, faut avoir un très très bon shoot. Honnêtement, et faut être précis, faut des bons yeux, anticiper, des bons yeux. Moi, je vous conseille d'augmenter la luminosité, c'est ce que j'avais fait, d'ailleurs, je vais la redescendre. Baisser la sensi. On se fait un peu la sensi. De quoi? Un petit tour dans la maison hantée. Ouais, allez, on fait un petit tour dans la maison hantée, puis après on va finir cette vidéo, vous êtes prêts? On fait la deuxième façon après? Non, bah non. Annie, oui, monter le pack à punch. Oui, avec 800. Mais le montrer. Allez, mes connasses! Allez, ça va, lumière! Oh bah merde. Oh, je tire, mais je tire. Tout le pack à on va crever. Passer la manche en plus, hein. Oh non, on va pas crever, on a tous les atouts. On les perd pas, de toute façon, les atouts. Faut charger une vitesse, mon gars, moi. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut, elle, casse-toi. Hop là, allez. On est ressorti, mes couillons. Attends, j'ai faim. Bague un peu. Oh, il y a des zombies. Oh, oh. Bon, venez, attends, venez, on va faire la boîte là-bas. Mais non. Ah, moi j'ai. Regarde, vas-y, fais la boîte, dis, on a tous zéro. Moi j'ai 400. Ouais, nickel. Attends, normalement, avec mon nouveau hack, si j'appuie sur interface éteindre la console, je peux payer. Petit vol, regarde-le. Petit vol. Washer. Il faut ça, on a réussi quoi. Ouais. Donc voilà, écoutez, on va terminer la vidéo ici. On va voir ce qu'il y aura dans la boîte. Il va sûrement avoir une merde de toute façon. Non, mais essaye d'avoir le pack à punch. Et quoi le pack à punch? Bah le pack à punch, on y est même pas allé une seule fois, mais ça va le montrer. On le montre? Bah histoire de... Ouais. Et il est où? Vous êtes où là? Bah la boîte. Oui, venez. Vas-y. Faut que je trouve la sortie quoi. Non, c'était là-bas, enfin la sortie de l'autre côté de par où on est arrivé ou... Non, l'autre sortie. Ah mais oui, mais j'y étais avant, j'y étais sans faire exprès. C'est bon, c'est là. Voilà. Et puis on irait jusqu'à temps qu'on crève. Allez, c'est parti. D'accord. Ah, c'est ça le pack à punch. Mais comment on y va? Oh putain. Il est là en bas le pack à punch. On a trouvé, d'accord. Enfin, j'améliore. Oh, il y a une couillonne. Oh, elle est morte. Oh, tu es en train de faire mon rushing là. Mais non, mais ça les paralyse et ça les tue. Oh, du poignon. Oh, j'ai eu une balle. C'est cool, non? Une balle. Aïe, 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 va mourir. Elle sait qu'un jour j'ai fait un zombie avec un mec que je connaissais pas, j'étais au micro. Oh non, non, on va jamais la terminer, on a des mines. J'étais au micro, je lui ai fait va à gauche et saute. Tu vas être invincible. Il a sauté. Il a sauté, mais où ça là là? Ouais. Ouais là là ici. Je crois que c'est bon, bah c'est bon, ça a marché. Allez sautez tous là. Non je veux pas. Saute. Oh j'ai débloqué les. C'est quoi? On passe la manche. Mais j'ai respawn. Je saute moi. Allez, moi je re-saute, m'en fous. Attends, j'ai spawn. Merde. Mais quoi? Mais j'ai respawn encore! Moi aussi. Laissez-nous. Laissez-nous tranquille. Oh, mais laissez-nous mourir. Là, je veux mûrir, voilà. J'ai mouru. Regarde-le l'autre avec son arme infernale. Bah, comme ça, j'aurais pu montrer ton arme infernale là. C'est bizarre, il y a des petits pistons et tout dessus. Zidar, t'es pas mort là. Tire! J'essaye de trouver le temple ou le truc pour aller au pack à punch, mais je sais pas où c'est. Ah, d'accord, c'est violent ce machin. Ouais, mais je me suis suicidé et ça m'a remis en jouant. Bon, allez-y, suicidez-vous là. Je vais mourir. Bah, Zidar, t'as même pas besoin, tiens. Si, je voulais avoir la grenade, mais et boum, voilà. Martyr. Ça, c'est du martyr. Martyr. Martyr en zombie. J'ai envie de mourir bien. Attends. Merde. Mais putain. Au secours. On est en train de ma tête. Allez! 3-6 couteaux! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il arrive en plus! Mais pourquoi il m'a réanimé? Je sais pas. Isp, tu viens? Oh non! Prends ça! Ne t'y vole! Putain, gars, ils sont pas rares! Merde, je vais mourir moi là! Bon, tant pis! Il me tue même pas! Ouais, voilà, c'est moi qui le tue! C'est quoi ce truc? Tu mets des coups de poing et tout! Bon les gens, c'est sur cette magnifique image de destruction massive par Athézor, bah voilà. 9 manches. 9 manches, et on a réussi le secret. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de la map Buried ou Buried vous a... Ah, quel gros con.
Et puis voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Genre, écoute, je pense que j'ai coupé quelques trucs, notamment là, un petit truc à la fin. Pourquoi ? Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de regarder dans la description les Twitter et les chaînes YouTube de mes alcooliques. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était WarTech. À bientôt tout le monde.